Bonsoir. Bienvenue dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous sommes sur le point de débuter cette cérémonie de remise des diplômes de l'Université Sorbonne Paris Cité. Donc, installez-vous confortablement. Et avant de lancer les hostilités, je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, pensez à éteindre vos portables, si vous le voulez bien. Et ensuite, le déroulé de la cérémonie. Nous allons accueillir dans quelques instants la délégation professorale. On m'entend pas très bien? Est-ce que là, c'est mieux? Parfait. Donc, on va accueillir la délégation professorale. Je vous demanderai à ce moment-là de bien vouloir vous lever. OK, on vous fera un signe. Ensuite, après les discours introductifs de Monsieur le Recteur et Monsieur le Président de l'Université, ce seront au tour de 25 docteurs de venir échanger leur expérience avec nous, les 25 qui sont sur scène ici. Et après un discours de conclusion par Monsieur le Directeur du Collège des écoles doctorales, nous quitterons la salle pour aller se rafraîchir autour d'un cocktail. À ce moment-là, messieurs, dames, les lauréats, vous sortirez en premier. On vous le rappellera à ce moment-là, uniquement les docteurs lauréats sortiront de la salle pour aller prendre une photo de promo. Voilà, les personnels encadrants, les invités, on reste dans la salle jusqu'à ce que la photo soit faite, et ensuite, on pourra aller se rafraîchir autour d'un cocktail. Il faut qu'ils mettent leur écharpe. Si vous voulez bien mettre votre écharpe, l'écharpe qui vous a été donnée aussi, tout le monde, voilà, pour le décorum, rendre la chose un peu plus solennelle, un peu plus officielle. Just a few words in English. Ladies and gentlemen, welcome to the Sorbonne. As my colleague has just expressed in French, in a moment you will be asked to stand for the entrance of the Chancellor, the Vice-Chancellors, and the professors of the universities that make up the University Sorbonne Paris Cité. The ceremony should last roughly 1.5 hours, and if you haven't yet done so, as you can see around you, please could you put on your scarves? Thank you. At the end of the ceremony, our PhD graduates will be invited to leave this lecture hall first for a little spot of modeling and photo taking. And then at 7:15, roughly, you'll be invited to join us for this evening's cocktail and further celebrations. Thank you very much. Les derniers préparatifs sont en train d'être faits. On va débuter la cérémonie incessamment. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir la délégation professorale. Mesdames et messieurs, les professeurs et maîtres de conférences. Monsieur Thomas Coudreau, directeur du Collège des écoles doctorales. Monsieur Jean-Yves Mérindol, président de l'Université Sorbonne Paris Cité. Madame Marie-Laure Coquelet, vice-chancelier des universités de Paris. Et monsieur François Veil, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris.
Nous pouvons nous rasseoir. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par donner la parole à monsieur le recteur qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, monsieur François Veil, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris. Madame le vice-chancelier des universités de Paris, monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Cité, mesdames et messieurs les présidents d'université, mesdames et messieurs les doyens et directeurs, mesdames et messieurs les professeurs et maîtres de conférences, chers collègues, mesdames et messieurs les docteurs, mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'est un symbole de l'ancienne Université de Paris, mais c'est aussi un symbole des universités de Paris qui sont en cours de reconstitution. C'est un symbole qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'est aujourd'hui l'université. Robert de Sorbonne, Descartes, Lavoisier, Rollin, Pascal, Richelieu. Mais il manque Marie Curie, Jacqueline de Romilly, Germaine Tillon et d'autres. Je vous demande donc, pendant cette cérémonie, pendant les deux heures de cette cérémonie, d'imaginer que ce grand amphithéâtre de la Sorbonne reflète l'université du XXIe siècle et non pas seulement celle du XIXe siècle, l'université du XXIe siècle qui est si bien représentée aujourd'hui ici en Sorbonne par l'université Sorbonne Paris Cité. Je voudrais d'abord dire un mot aux docteurs de l'université Sorbonne Paris Cité qui sont distingués aujourd'hui. Cette cérémonie, c'est l'accomplissement d'un long parcours de recherche, d'une aventure d'être, d'une aventure scientifique et personnelle, d'une aventure individuelle et collective, pour les uns plus individuelle et pour les autres plus collective, selon les disciplines. Et je crois, Monsieur le Président Mérindol, je crois qu'il y a à l'Université Sorbonne Paris Cité 32 écoles doctorales. Et donc, c'est la diversité des manières de faire, la diversité des manières de faire de la recherche, la diversité des manières d'innover, de découvrir, d'apprendre, qui est reflétée aujourd'hui par les docteurs de l'Université Sorbonne Paris Cité. Mais entre vous, il est évidemment un point commun, l'intérêt, la passion pour l'innovation, pour l'invention, pour la création, pour ce que vous apportez à la connaissance dans vos travaux, quelle que soit votre discipline d'élection, quelle que soit aussi, dans un certain nombre de cas, les champs interdisciplinaires qui caractérisent vos recherches et les travaux que vous avez conduits et qui vous mènent aujourd'hui au doctorat. Donc, je veux, au nom des universités de Paris dont je suis le chancelier, je veux vous adresser mes plus vives, mes plus chaleureuses félicitations. Le diplôme que nous célébrons aujourd'hui n'a pas encore en France toute la reconnaissance qu'il devrait avoir et qu'il a dans d'autres pays du monde. Nous savons que c'est un long parcours. Depuis 2012, le gouvernement s'est attelé à faire mieux reconnaître le diplôme de docteur, non seulement dans le monde de la recherche, mais dans celui de la fonction publique et dans celui de l'entreprise. C'est un long parcours, parce que dans notre pays, cela correspond à un changement de culture, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Dans d'autres pays du monde où, par exemple, dans la haute fonction publique, la possession d'un doctorat est chose naturelle, au lieu d'être, comme dans le cas français, je mets évidemment de côté les universitaires, elle est chose rare, sinon exceptionnelle. Je veux donc vous féliciter de cet accomplissement et je veux vous souhaiter
dans les voies que vous avez choisies, chacune et chacun, je veux vous souhaiter beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. Je sais qu'en conduisant votre recherche, vous avez été confronté au bonheur de l'innovation, au bonheur de la création, au bonheur de cette petite idée qui est au principe des travaux que vous avez conduits et des thèses que vous avez soutenues. À vous, Monsieur le Président Mérindol, à vous, Madame et Messieurs les Présidents de l'Université Sorbonne-Paris-Cité, à vous, chers collègues, tous les membres de l'Université Sorbonne-Paris-Cité, et à tous les étudiants, je vais adresser un mot particulier pour cette première cérémonie de remise des doctorats. Elle se fait dans un contexte qui n'est pas celui que tous auraient pu souhaiter ici. Un contexte un peu difficile pour cette nouvelle université Sorbonne-Paris-Cité à la suite des résultats récents de l'IDEX. Mais moi, ce que je veux vous dire comme recteur chancelier, c'est d'abord la confiance. La confiance que j'ai lorsque je regarde les forces exceptionnelles qui sont rassemblées dans les universités, les grands établissements, les organismes qui ont choisi de se retrouver au sein de Sorbonne-Paris-Cité. Et c'est aussi la confiance que le modèle que vous avez choisi, celui de vous regrouper pour mettre fin au temps des silos et des millefeuilles qui perduraient depuis le début des années 70, que cette démarche est la bonne, parce que c'est une démarche qui correspond au modèle mondial d'innovation, d'invention, de créativité qui est celui du XXIe siècle, parce que c'est le modèle dont notre pays a besoin, parce que c'est le modèle dont les universités parisiennes, dispersées selon des schémas plus disciplinaires qu'interdisciplinaires et des logiques qui étaient parfois plus politiques que scientifiques, dont les universités parisiennes avaient et ont besoin. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président Mérindol, dans ces temps un peu difficiles, je veux vous dire non seulement mon amitié, mais vous le savez, mais la confiance que j'ai dans l'avenir de l'université que vous présidez et l'assurance que j'ai que vous dépasserez les difficultés du présent et que vous construirez à Paris l'une des grandes universités de formation et de recherche mondiale dont nous avons besoin. Je vous remercie. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Yves Mérindol, président de l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Monsieur le recteur, je vous salue en tant que chancelier des universités, madame la vice-chancelière. Je ne suis pas l'ordre protocolaire, mais je salue d'abord mesdames et messieurs les docteurs, puisque la cérémonie aujourd'hui est évidemment une cérémonie en votre honneur, et je commence par vous, mesdames et messieurs les présidents d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les directeurs d'école doctorale, mesdames et messieurs, chers amis. La cérémonie qui nous rassemble, je vais essayer d'être le moins redondant possible avec ce que vient de dire François Weil, est une cérémonie, la première du genre pour l'Université Sorbonne-Paris-Cité, d'honneur aux docteurs qui ont été délivrés l'an dernier. Elle est la première pour deux raisons. D'abord pour une raison de principe, c'est la première fois que l'Université Sorbonne-Paris-Cité délivre des doctorats, puisque jusqu'à présent, ces doctorats étaient délivrés par les différents établissements que nous regroupons. Nous l'avons fait, bien entendu, avec l'accord des établissements que nous regroupons à leur demande. Et ce symbole est un symbole de la volonté de l'Université Sorbonne-Paris-Cité d'exister en tant qu'université rassemblant toutes les disciplines. Je vais faire un petit détour historique pour rappeler un certain nombre de choses sur l'histoire des universités, notamment l'histoire des universités en Île-de-France. D'abord, je signale, je remercie évidemment le recteur qui est maître de ces lieux de nous accueillir dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, et c'est bien naturel que des doctorats délivrés au nom d'une université qui a choisi de s'appeler Sorbonne-Paris-Cité se déroulent dans cet amphithéâtre. Mais je rappelle que nous avons, en choisissant ce nom,
créer non pas tout à fait un précédent, mais j'allais dire un premier précédent officiel. Je m'explique. Jusqu'à présent, en Paris, aucune université ne s'est jamais appelée la Sorbonne. Pour être plus précis, nous avons l'habitude de penser que la Sorbonne, jusque dans le 19e siècle, était une université. Non. Officiellement, l'université, jusqu'en 1968, était l'Université de Paris. Et c'est son nom officiel. La Sorbonne, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes hébergés ici, pas simplement cet amphithéâtre, qui a été construit, reconstruit. Le recteur serait mieux placé que moi pour vous parler de Richelieu et des différentes étapes importantes de ce bâtiment. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est construit à la fin du 19e siècle, représente la façon dont la Troisième République, triomphante, laïque, républicaine, voyait la place de l'instruction publique, de l'enseignement supérieur, de la recherche. C'est un des grands palais académiques et la fin du 19e siècle est en France un moment où on crée dans plusieurs grandes villes des palais académiques. À Paris, on crée ce palais académique autour de l'Université de Paris, au singulier. Dans d'autres villes, j'en cite une, Lyon, on crée un palais académique à peu près dans la même période, un moment où l'Université de Lyon n'existe pas. Très forte encore sur la façon dont nous concevons l'enseignement supérieur et la recherche. Bien entendu, dans tous les pays du monde, il existe en général des universités et des facultés. Mais l'histoire des autres pays est en général d'avoir créé des universités qui ensuite ont décidé en leur sein de créer des facultés. L'histoire française de l'enseignement supérieur et de la recherche a ceci de particulier qu'elle a commencé par créer des facultés principalement et qu'elle a ensuite fait des efforts très importants et parfois couronnés de succès, parfois couronnés d'échecs pour les rassembler dans des universités. Et je cite ici l'un des grands directeurs de l'enseignement supérieur du 19e siècle, l'un des anciens recteurs de l'Université de Paris, prédécesseur de François Weil, je veux citer Louis Liard, qui a joué un rôle très important à la fin du 19e siècle pour essayer de créer en France des universités dignes de ce nom. Il est arrivé à une loi en 1896 qui à la fois est une loi qui crée les universités qu'on va connaître jusqu'en 1968 et qu'en même temps, du point de vue qu'il défendait, qui était le point de vue de l'importance de la liberté intellectuelle, du rassemblement intellectuel des différentes disciplines dans un même ensemble institutionnel, était en réalité un échec. Et un échec parce que ces universités étaient créées autour des facultés. Et l'Université de Paris, jusqu'en 1968, de 1896 à 1968, existait. Ce symbole de la Sorbonne le montre. Si vous regardez attentivement le bâtiment, vous verrez apparaître Université de Paris, parfois au singulier, parfois au pluriel, gravé dans la pierre de ce bâtiment. Mais cette université, jusqu'en 1968, était, bien que présidée par le recteur, fonctionnaire d'autorité nommé par le ministre, un ensemble de facultés autonomes et indépendants, chacune dirigée par un doyen. D'une certaine façon, les couleurs des robes que nous portons les uns et les autres traduisent cette histoire. On n'a pas tout à fait tout le nuancier subtil de ces couleurs, mais les quatre grandes couleurs, je mets à part la couleur des recteurs et des présidents, les quatre grandes couleurs représentent les quatre anciennes facultés sur lesquelles était construit l'enseignement supérieur et la recherche de ce pays. Donc la faculté des sciences, dont je fais partie, je suis mathématicien, la faculté de droit, qui à l'époque regroupait aussi l'économie, les sciences politiques, etc., la faculté de médecine, la pharmacie et l'odontologie n'avaient pas le rang de faculté, étaient en général des écoles subordonnées, moins importantes, et la faculté des lettres. Et les couleurs représentent ces différentes disciplines. Bien entendu, les disciplines universitaires se sont émancipées peu à peu le développement de la science l'exigeant de ces grands regroupements. Et il est parfois difficile, quand on est dans un domaine donné, de savoir en biologie si on relève de la médecine ou de la biologie vue comme science, comme il peut être difficile dans d'autres domaines de savoir si on relève plutôt de l'économie rattachée au droit ou plutôt de la sociologie, plutôt rattachée en règle générale aux lettres. Voilà, c'est pas simplement la couleur qui montre cette ancienne façon de penser, mais c'est aussi ce qui s'est passé en Île-de-France et à Paris après 1968, où deux décisions ont été prises, dont on peut juger qu'elles sont, avec le recul, partiellement contradictoires. Une décision très importante qui a été de créer des universités, et de les créer dotées de l'autonomie juridique et morale
et de les créer avec un président à leur tête qui est élu, ce qui changeait du dispositif universitaire précédent, comme je viens de l'expliquer. Mais en même temps, pour des raisons qui étaient dues à la fois aux circonstances du moment, une certaine angoisse face à ce que pouvait représenter la concentration en un même lieu d'un grand nombre d'étudiants, surtout si ce lieu était la Sorbonne, qui avait vu autour de mai 68 des choses importantes liées aux étudiants. Et en même temps, une façon de penser l'organisation des universités modernes avec des restrictions très fortes. Le pouvoir de l'époque, je pense en particulier à Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale et très grand ministre, a choisi de limiter la taille de ses établissements. Et il a demandé qu'ils soient entre 10 000 et 15 000 étudiants, ce qui aboutit en région Île-de-France à créer 13 universités. Et elle est créée, comme le soulignait le recteur François Weil, sur des logiques qui, pour partie, ont été des logiques scientifiques, pour partie, ont été des logiques politiques, et pour partie, ont été des logiques très circonstancielles liées à la mise à disposition de tel espace, de tel bâtiment, de tel campus. Il s'est révélé peu à peu que la grande difficulté en France, une des grandes difficultés, était néanmoins de faire vivre le rapprochement des disciplines. Certaines universités avaient été créées à une certaine échelle comme pluridisciplinaires, d'autres avaient été créées autour de grandes dominantes, et ça a été un premier élément de modification de la réflexion depuis, mettons, 15 ou 20 ans. Et l'université Sorbonne-Paris-Cité, de ce point de vue, mais d'autres ensembles parisiens y contribuent, a souhaité exister, et les établissements qui la composent ont souhaité se rassembler pour traduire ce qui est en général, ce qui n'est pas obligatoire, dans le monde entier, ce que représente une université, c'est-à-dire un endroit où presque toutes les disciplines travaillent à la fois dans le respect de ce qui fait leur façon de penser, leur autonomie intellectuelle, leur spécificité d'approche, les terrains différents des uns et des autres, et ces terrains les éloignent en général, éloignent les scientifiques d'une compréhension universelle. On a le temps des Descartes, le temps de Pascal, pour prendre deux des statues qu'on trouve ici au fond, a disparu. On ne trouve plus des gens capables comme Pascal d'être à la fois les meilleurs savants dans des domaines des mathématiques, de la physique ou de la philosophie, ou s'ils s'en trouvent, c'est vraiment une exception radicalement rare. Mais il reste la nécessité d'avoir à la fois des gens très forts dans leur discipline et d'avoir aussi une capacité d'échanger en recherche et en formation entre ces disciplines. Et l'université Sorbonne-Paris-Cité, depuis maintenant, dans des circonstances un peu variables, depuis 8 ans, essaie de relever ce défi de créer une université compréhensive, comme on dit en général en anglais. Il n'y a pas de mot très commode en français pour traduire ce fait-là. Et la cérémonie ici est la première cérémonie de cette université générale rassemblant l'ensemble des disciplines et l'ensemble des écoles doctorales qui ont été signalées. On le verra dans un instant, au fur et à mesure des interventions des doctorants, des docteurs maintenant, pardon, qui sont ici à la tribune et qui vont représenter dans leurs explications la diversité de ces écoles doctorales. Bien entendu, c'est un chemin difficile. Nous transformons quelque chose qui, comme je l'ai dit, s'est cristallisé à la fin du 19e siècle, qui a pris d'autres formes après 1968, qui a connu des rebonds ultérieurs. Ça veut dire que nous avons, d'une certaine façon, derrière nous, plus de 150 ans d'histoire, et nous avons l'audace de penser que, assez rapidement, nous pouvons à la fois intégrer ces 150 ans d'histoire et les transformer. Et cette audace est parfois payante et parfois conduit à des moments effectivement un peu délicats. J'y n'y reviendrai pas, mais nous devons maintenant trouver les façons de maintenir cette grande ambition. Petite conséquence d'ailleurs, puisque j'ai fait une allusion que j'éclaire, je dis que c'est la première fois qu'une université s'appelle officiellement Sorbonne Paris-Cité. Pour être très précis, nous avons des universités sur la place parisienne, et je pense en particulier à l'université Sorbonne Nouvelle, dont le président Karl Bonafoumura est ici présent, qui depuis leur création, donc depuis 1970, font apparaître, avec évidemment à la fois ambition et volontarisme, le mot Sorbonne dans leur titre. Mais quand je dis officiellement, je pointe simplement une singularité de notre administration, c'est que Université Sorbonne Nouvelle apparaît comme telle, mais n'apparaît pas comme telle officiellement dans les décrets et dans la remise des diplômes, de sorte que les étudiants qui ont eu des doctorats de cette université voient jusqu'à présent, sur leur titre officiel, voir apparaître Université Paris 3. Paris 3, c'est très bien, mais c'est un peu différent de Sorbonne Nouvelle. Donc maintenant, sur vos titres officiels, dont je sais qu'ils mettent du temps à arriver,
arriver. Tout ce qui est officiel dans notre pays est lent. C'est le poids des institutions qui se doivent d'être à la fois efficaces et lentes. Je le dis sans regrettant, évidemment. Le mot Sorbonne va effectivement apparaître. Je viens maintenant et je termine sur le doctorat. On a l'habitude de dire, avec raison, et on y insiste depuis quelques années d'une façon plus forte que dans les temps passés, sur l'idée que le doctorat est une première expérience professionnelle. Première, pas nécessairement, d'ailleurs, beaucoup de docteurs ont eu une expérience professionnelle avant de se lancer dans le doctorat. Donc le mot « premier » est un mot excessif. Mais pour la majorité des docteurs, c'est une première expérience professionnelle. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est tout simplement une expérience de vie. C'est une expérience d'être en situation de travailler de façon individuelle, de travailler de façon collective, de passer de l'un à l'autre, de le faire dans des très grandes diversités qui tiennent compte à la fois à des traditions, et certaines des traditions sont honorables, d'autres méritent d'être changées, même quand elles sont honorables, qui sont les traditions des différentes disciplines. Dans cette expérience de vie, il y a des moments très passionnants, il y a des moments qui peuvent être douloureux, il y a des moments très difficiles. Pour prendre, c'est le seul exemple, j'ai passé un doctorat, j'ai dit un doctorat parce que je suis de la très vieille école où il y avait deux doctorats. Doctorat tout court, celui que vous avez là et que l'on honore aujourd'hui, et puis le doctorat d'État qui a disparu ensuite et qui a été remplacé, ou en tout cas à laquelle s'est substituée l'habilitation à diriger des recherches. J'ai passé donc ce doctorat il y a 36 ans, dans un moment où n'existait ni école doctorale, ni, je dois le dire, en gros, encadrement de thèse. Donc après avoir trouvé un directeur, il a fallu que je trouve un sujet. Après avoir trouvé un sujet en concertation avec le directeur que j'avais choisi, le directeur, malheureusement ou heureusement pour lui, entre-temps était parti comme professeur à Columbia. Je rappelle que c'est 36 ans, il y a un moment où le web n'existe pas, où le téléphone est compliqué quand on téléphone aux États-Unis. Donc travailler avec un directeur à Columbia est une expérience intéressante, mais assez lointaine au sens strict du terme. Et donc, bien entendu, à plusieurs reprises, je me suis dit que la meilleure solution, la plus sage, était que j'arrête et que j'abandonne le doctorat et que je trouve d'autres choses. Je m'étais même rapproché et intéressé à des carrières de la haute fonction publique en me disant que ça serait beaucoup mieux que les mathématiques. Mais j'ai résisté à ces moments de découragement, j'ai continué, j'ai soutenu une thèse. Je suis très fier de la thèse que j'ai soutenue dans les travaux de recherche que j'ai eu à faire. C'est l'un des travaux qui reste encore cité aujourd'hui, plus de 36 ans après. Donc c'est aussi le bonheur que je vous souhaite. Mais je me rappelle très bien de à la fois les moments intenses, les moments vraiment jubilatoires, quand tout à coup une porte s'ouvre alors que ça fait des semaines qu'on cherche cette porte et qu'on pense qu'elle n'existe pas. Et puis des moments terrifiants où après avoir ouvert 10 portes successives et se dire ça y est, on est arrivé au succès, de s'apercevoir que derrière, c'est une impasse radicale et qu'on n'a plus qu'à faire demi-tour et à recommencer à tâtonner dans le noir et à chercher autre chose. Et ça, c'est plus qu'une expérience professionnelle. C'est une expérience de vie, c'est une expérience qui marque. Elle vous a marqué de façon positive puisque vous avez terminé et vous êtes docteur. Elle a pu en marquer d'autres de façon difficile. Il y a des abandons significatifs dans le cours des doctorats, même si un des rôles principaux importants des écoles doctorales est de limiter ces abandons et d'essayer, par un encadrement, de mener les uns et les autres au bout de ce dispositif. Voilà, je m'arrête ici. Je renouvelle les félicitations qui vous ont déjà été adressées pour ce diplôme de docteur. Je vous souhaite des diversités de carrières. Une partie d'entre vous, bien entendu, et c'est logique, vise à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et ce sont des métiers non seulement très honorables, mais parfaitement réjouissants et satisfaisants. Et ceux qui espèrent avoir ces carrières professionnelles, je leur souhaite un plein succès. Mais j'insiste sur le fait que les doctorats ne conduisent pas et ne peuvent pas conduire qu'à ces carrières-là et que plein d'autres métiers doivent être et doivent être de plus en plus ouverts aux docteurs. Je sais, le recteur l'a déjà fait allusion, que cette ouverture n'est pas suffisante dans notre pays et que ça fait partie des choses à long terme que nous devons traiter. Nous sommes marqués là aussi par des différences institutionnelles dans les systèmes entre grandes écoles, classes préparatoires, dispositifs variés qui font certainement l'admiration des élites de notre pays et la curiosité des élites des pays étrangers, curiosité qui ne va pas en général pour les pays étrangers jusqu'à nous copier sur ce terrain-là.
Donc c'est aussi un combat d'avenir, c'est aussi un combat et un défi que l'Université Swartman Paris Cité souhaite relever. Je terminerai simplement en disant qu'au-delà de cette diversité après le doctorat, il y a d'autres diversités qui vous attendent plus tard. C'est très évident qu'on n'est plus dans un moment où les carrières sont des carrières qui vont pendant 35, 40 ans se faire de façon systématique et linéaire. Et je vous souhaite donc aussi à la fois le bonheur et l'expérience, qui peuvent être, comme le doctorat, heureuses ou plus difficiles, de savoir régulièrement changer de métier, de savoir retourner votre curiosité vers d'autres endroits que l'endroit dont vous êtes le spécialiste, le ou la spécialiste. Je rappelle qu'au moment du doctorat, en règle générale, vous êtes, pour un moment éphémère, le meilleur connaisseur, la meilleure connaisseuse du sujet que vous avez traité. Mais ce moment est éphémère, et donc d'autres moments doivent succéder. Vous pouvez continuer à devenir les meilleurs dans un domaine donné, qu'il soit de recherche ou de formation, ou à devenir les meilleurs ou très bons dans d'autres domaines, et la vie offre beaucoup d'autres actions que simplement l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, encore mes félicitations et bonne suite de cérémonie. Nous allons maintenant passer la parole à nos jeunes docteurs, les représentants ici sur scène de la promotion 2015. Peut-être d'abord, Grégory, la politesse voudrait qu'on se présente. Volontiers. Donc, je présente mon collègue qui animera cette cérémonie avec moi ce soir, Grégory Pacini, qui est doctorant et qui travaille sur le sida. Quand je dis doctorant extrêmement avancé, parce qu'il me semble que tu as déposé ton manuscrit pas plus tard que la semaine dernière. Il y a deux semaines. Je rejoindrai vos rangs très bientôt. Voilà. Mais supposément. Mais Grégory, peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il a une tête qui vous dit quelque chose. Grégory fait partie de ces doctorants qui sont connus nationalement, voire internationalement, puisque Grégory est le lauréat de ma thèse en 180 secondes 2015, lauréat national de ma thèse en 180 secondes de 2015. Merci. Alors, juste une précision, l'un des trois lauréats. J'étais pas tout seul, j'étais troisième en vrai. Voilà. Toujours un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Et donc, à mes côtés, Raphaël Kostambé-Kamski. J'ai peut-être écorché la dernière partie. Absolument. Très bien. Qui est actuellement directeur délégué vie, campus et expérience étudiante à l'Université Sorbonne Paris Cité, qui lui a passé sa thèse, contrairement à moi, il y a une quinzaine d'années. Voilà. Restait peut-être des cheveux à l'époque. En social studies. Cultural studies. Et il continue aujourd'hui. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais son travail consiste à écouter de la musique. Et à aller à des concerts. Voilà. C'est pas tous les jours facile. Il y a plus dur, effectivement. C'est un travail extrêmement dur. Et vu que j'écoute la musique sur des disques en vinyle, toutes les 20 minutes, je suis obligé de me lever pour aller changer la face. Donc, c'est pas tous les jours facile. Bah, c'est un travail très pénible. Donc, voilà. Raphaël et moi-même allons donner à présent la parole aux différents docteurs. J'ai toujours envie de dire doctorant, il va falloir que ça sorte. Aux différents docteurs qui ont accepté sur la base du volontariat de partager avec nous un petit bout de leur expérience de doctorat. Raphaël, si tu veux bien faire l'honneur. Pour démarrer ces présentations, je vous prie d'accueillir Kathleen Lantz, qui a rédigé sa thèse sur l'étude des processus d'altération aqueuse et de maturation des surfaces par space weathering des astéroïdes primitifs. Mesdames, messieurs, et bien sûr docteur, bonjour à tous. C'est un grand honneur de prendre la parole juste après monsieur le chancelier des universités de Paris et monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Cité, que je remercie bien chaleureusement pour cette cérémonie.
Mais c'est en fait un plus gros track que pour la soutenance, parce que nous sommes ici au tout début, et donc vous êtes tous attentifs à ce que je vais dire. J'étais encore au lycée lorsque m'est venue cette idée, peut-être un peu folle, de faire de l'astrophysique. J'ai eu la chance, en fait, de contempler la voûte céleste depuis l'hémisphère sud, et cette direction à prendre m'est apparue absolument évidente. J'ai rapidement compris que la thèse serait une étape obligatoire, et il semble que je me sois orientée vers la bonne étoile, car 10 ans plus tard, ce projet aboutissait. Je n'aurais cependant jamais pu imaginer que j'irais un jour observer avec les plus grands télescopes du monde, que je collaborerais avec des agences spatiales pour préparer les missions de demain, et que les experts de la discipline me considéreraient comme une collègue. Cette expérience universitaire fut donc riche en opportunités, et la dynamique est toujours là, car me voilà lancée dans l'aventure des post-doctorats avec la perspective d'avenir de poursuivre une carrière académique. J'aimerais rendre hommage à André Braïc, qui nous a quittés il y a quelques jours. Il fut mon premier professeur d'astrophysique et il a sans nul doute contribué à accélérer l'expansion de mon propre univers. Pour finir, la cérémonie est quand même faite pour cela, félicitations à tous les nouveaux docteurs de cette assemblée, et en particulier, un mot à mes camarades de l'école doctorale 127, donc astronomie et astrophysique, ou à tous ceux ici qui ont traité une thématique extraterrestre. On a beau avoir la tête dans les étoiles, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons su garder les pieds sur Terre. Alors bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Kathleen. Vous m'entendez ? Merci beaucoup, Kathleen, pour avoir partagé avec nous cette longue passion, si j'ai bien compris. À la lecture de votre sujet de thèse, je me suis quand même posé une question. En quoi consiste le space weathering ? C'est ni plus ni moins qu'un phénomène de coup de soleil. C'est-à-dire ? Je m'explique. Les petits corps, en fait, dans l'univers n'ont pas d'atmosphère. Ils ne sont pas protégés de toutes les particules à haute énergie qui les bombardent en permanence. Et donc, au fur et à mesure, leur surface est altérée, modifiée. Et donc, c'est vraiment un coup de soleil, parce que la plupart des particules viennent du vent solaire. Merci beaucoup. De rien. Je vais maintenant appeler Khadija Benkouider, qui a reçu son titre de docteur pour la thèse qu'elle a présentée sur l'attractivité du territoire de la ville nouvelle de Bourzoul au prisme des théories d'Amartya Sen et de l'analyse des relations sociales entre les femmes et les hommes. Merci. Honorable invité, mesdames et messieurs, chers docteurs, collègues, c'est un immense honneur et une grande émotion que je ressens en me présentant à vous pour dire quelques mots en votre nom, vous, mes chers collègues. Permettez-moi de remercier la présidence et les organisateurs de cette manifestation si nouvelle, empreinte de bonheur, de joie et d'espérance. Nous tous, les nouveaux docteurs, avons passé des années dures mais exaltantes. Pour ma part, j'ai connu alternativement des peines et des joies. J'ai perdu ma mère et mon père et j'ai donné naissance à mes deux filles, tout en continuant à travailler dans une administration publique. J'y ai connu là aussi des satisfactions, des promotions valorisantes. Si je me suis acharnée, comme beaucoup d'entre vous sans doute, c'est par défi, pour ne pas me laisser vaincre par les contingences de la vie. Je souhaitais avant tout approfondir mes connaissances dans mon domaine de prédilection. Beaucoup de questionnements étaient remontés à la surface durant mes années de travail au ministère, durant mes études universitaires à Alger, à Grenoble et à Paris. J'étais décidée également à traiter la question de l'aménagement du territoire en Algérie en relation avec la question du genre, qui est une question essentielle et largement ignorée. J'ai voulu ainsi aider mon pays dont la difficulté, on le sait, est énorme. Depuis la fin de ma thèse, j'ai trouvé un éditeur à Alger. Celle-ci sera prochainement publiée avec quelques mots de préface d'Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, dont j'ai découvert, grâce à ma thèse, l'œuvre immense. Il a d'ores et déjà donné son accord. J'assure par ailleurs des cours à l'Université d'Alger. Au nom de tous les docteurs, je remercie du fond du cœur l'Université de nous avoir donné la possibilité d'arriver au bout de nos parcours, certes lents et difficiles, mais si valorisants.
Le document reçu aujourd'hui du directeur de l'école doctorale et d'autres éminences présentes sont les symboles de notre réussite, mais aussi de notre appartenance à cette prestigieuse université qui nous a dispensé une nourriture indispensable à la vie. Je formule le vœu que chacune et chacun de nous soit un excellent créateur, capable de construire et de conduire de vrais projets d'enseignement, de recherche ou dans d'autres domaines comme moi, dans l'administration publique, avec toute la générosité, toute l'imagination et toute la rigueur que cela exige. Je voudrais enfin adresser mes remerciements à tous les professeurs et les chercheurs qui, tout au long de mes études, ont été pour nous des exemples à suivre et plus particulièrement à nos directeurs de thèse, dans la mienne, Madame la professeure émérite Françoise Barré-Ducrot. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadija, pour ce témoignage. Je me permets maintenant d'appeler Aurélien Ribadier. Le titre de sa thèse est « Étude de la personnalité, des styles défensifs et des stratégies de coping » chez les personnes alcoolo-dépendantes. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de cette cérémonie. J'ai commencé cette thèse suite aux différents travaux que j'avais pu mener au cours de mon cursus universitaire et je souhaitais poursuivre l'analyse d'un certain nombre de facteurs tels que la personnalité et les mécanismes d'adaptation chez les personnes alcoolo-dépendantes. Les troubles liés à l'utilisation d'alcool sont un véritable problème majeur de santé publique. Je me suis particulièrement intéressé aux mécanismes d'adaptation puisqu'ils sont particulièrement importants pour permettre aux individus de faire face aux situations stressantes et peuvent être à l'origine de nombreux troubles psychopathologiques. En obtenant un contrat doctoral, j'ai eu ainsi l'opportunité d'être financé par l'Université Paris-Descartes pour réaliser ce travail de recherche de terrain. Les résultats de ce dernier ont permis de mettre en évidence le rôle de la personnalité dans l'utilisation de stratégies d'adaptation qui peuvent conduire à la présence de troubles anxio-dépressifs favorisant ou non la rechute ou le maintien de la consommation. Ces trois années de doctorat m'ont également permis d'apprendre par la recherche et m'ont conforté dans l'envie de poursuivre dans le milieu universitaire. En effet, ce travail a renforcé mon envie de continuer à étudier d'autres facteurs, tels que les émotions, pour comprendre au mieux certains fonctionnements qu'on peut retrouver chez ces patients alcoolodépendants. De manière plus personnelle, l'opportunité d'être chargé de mission d'enseignement m'a permis de saisir toute l'importance et le plaisir de transmettre aux étudiants une forme de savoir à tous les niveaux du cursus universitaire. J'ai également eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui m'ont soutenu pendant tout ce parcours et qui m'ont encadré, et elles resteront particulièrement importantes à mes yeux. Ces différents points ainsi que l'année réalisée en tant qu'ATER n'ont fait que me convaincre de mon envie de poursuivre dans cette voie en espérant peut-être obtenir un jour un poste de maître de conférence. Je tiens à remercier tout particulièrement le directeur de l'école doctorale, le professeur Sylvain Moutier, mais également ma directrice de thèse, le professeur Isabelle Varescon. Merci. Merci beaucoup Aurélien, qui nous a rappelé que la thèse, ce n'est pas qu'une aventure personnelle. On a besoin d'un guide, parfois de plusieurs, mais surtout de soutien. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à travers les paroles d'Aurélien ici. Nous allons maintenant accueillir Xinyu Yu pour son travail sur la structure argumentale et l'acquisition des langues étrangères. Bonjour. Mesdames, Messieurs et les jeunes docteurs, bonjour. Je suis Xinyu, docteur en sciences du langage, diplômée de l'Université Paris-Diderot. Je suis très heureuse et très honorée d'être ici pour partager mon parcours des études de doctorat avec vous. Je me demande ce qu'était le tout début d'un doctorat. C'était la curiosité de découvrir ce que tu peux apprendre dans les études doctorales. C'était la fierté de te présenter en tant que doctorant, futur docteur.
C'était la certitude que tu pourrais finir ta thèse en 3 ans, pas comme les vieux doctorants qui traînent encore au labo. Je me demande ce qu'étaient les premiers mois et les premières années du doctorat. C'était la lecture des documents, des allers-retours pour suivre différents séminaires qui te font te sentir nul. Tu commences à reconnaître que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'était la préparation de tes cours et la correction des devoirs et des copies qui peuvent te rendre fier, excité, occupé, crevé et affolé. Je me demande ce qu'était la suite dans tes études du doctorat. C'était des petits bouts que tu rédiges, tu barres, tu corriges, tu réécris. C'était tes premières présentations au sein de ton équipe de recherche ou dans des conférences où tu trembles de peur et tu transpires de stress. Je me demande ce qu'était la rédaction de la thèse. C'était des jours où tu es fixé dans la chaise, devant l'ordinateur, où tu as les yeux rouges et secs, où tu as mal au cou, aux épaules, aux doigts, au dos, aux fesses, aux jambes. C'était des encouragements que tu reçois lors des discussions avec ton directeur, ta directrice, et aussi lors du partage des bouteilles de vin avec tes collègues doctorants. Je me demande ce qu'étaient les derniers moments de la rédaction de la thèse. C'était des jours où tu ne vois pas le jour, des nuits où tu pénètres dans le noir le plus sombre. C'était des métaphores telles que le bout de tunnel, le noir avant l'aube, dont tu as besoin pour te consoler. C'était des moments où tu souris quand tu entends les jeunes doctorants disant qu'ils veulent finir leur thèse en 3 ans. Je me demande ce qu'était la soutenance. C'était une reconnaissance de soi-même. Tu reconnais ton travail intellectuel, mais aussi ton courage qui t'a retenu quand tu avais envie d'arrêter, d'abandonner et de renoncer. Je me demande ce qui était l'obtention de ton doctorat. C'était un soulagement. C'était un vide que tu ressens dans ton cœur. C'était la reprise du courage pour relancer dans le travail. Je me demande ce qu'est maintenant. C'est à la fois la fierté et la modestie quand tu te présentes comme docteur. C'est la recherche scientifique, mais aussi la recherche de l'emploi. C'est la lutte administrative pour ton titre de séjour si tu n'as pas encore un poste permanent et si tu es étranger en France. C'est une incertitude de ton avenir. C'est une curiosité de tes futures aventures. C'est le courage que tu as acquis lors de ta thèse et qui te pousse à continuer et te force à ne jamais renoncer. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est vrai qu'au moment de soutenir sa thèse, au moment de faire ses premiers colloques, on transpire, on tremble. Certains d'entre nous perdent leurs cheveux. Merci beaucoup. Je donne la parole à Valentine Becquet, le titre de sa thèse, Des inégalités de genre à la sélection sexuelle prénatale, la masculinité des naissances au Vietnam. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être ici devant vous aujourd'hui, de prendre la parole pour représenter le D180, c'est aussi un peu impressionnant. Quand j'ai imprimé ma thèse, je me suis dit que je n'écrirais plus un mot pendant l'année à venir, pas même une liste de courses. Alors quand il a fallu écrire ces quelques mots, soyons honnêtes, j'ai procrastiné jusqu'au dernier moment, un peu comme pendant la thèse finalement. On m'a suggéré d'expliquer dans quel but j'avais fait une thèse, et je dois avouer que c'est une question que je me suis souvent posée, surtout l'année où je l'ai rédigée. En réalité, je crois que ce qui m'attirait le plus, et qui est une particularité des thèses en sciences humaines, c'était d'aller me confronter à mon terrain. Pour moi, ça a nécessité de vivre pendant 1 an et demi au Vietnam et de rencontrer de nombreux couples afin de comprendre leur histoire familiale, leur quotidien, leurs relations et leurs projets reproductifs. Ils ne comprenaient pas forcément pourquoi leur intimité m'intéressait tant, et il a fallu essayer de leur expliquer l'objet de ma recherche, le pourquoi du comment, et en vietnamien, ce n'était pas une mince affaire.
si j'y ai notamment appris l'art de conduire une moto dans une métropole où les feux rouges n'existent pas. Je me suis surtout rendu compte que c'était autant ma propre histoire que la leur que je questionnais, que j'analysais. Et c'est une autre particularité des thèses en sciences humaines. Nous commençons tous nos thèses avec un sujet précis, relativement bien défini, mais qui généralement n'aura rien à voir avec celui traité à la fin lors de la soutenance. Et l'évolution de cet objet de recherche reflète nos errements, le cheminement parfois sinueux qui mène à la connaissance et la rigueur scientifique, mais aussi à une certaine maturité. Faire une thèse, c'est un peu comme faire une thérapie. Car plus globalement, je crois que faire une thèse, c'est apprendre la persévérance dans toutes ses dimensions et dépasser des limites qu'on ne soupçonnait pas. Un peu comme ces muscles cachés qu'on découvre le lendemain d'une séance de sport. Car on le sait, la thèse, c'est un marathon. Mais je pense que faire une thèse, c'est également un exercice d'humilité. Comme jeune doctorante, j'ai rencontré pas mal de thésards en pleine rédaction, fatiguée, parfois débordée, et je me disais que j'essaierais de gérer cette période plus sereinement. Mais ça, c'était avant de dormir sur la moquette de mon labo, les nuits précédant l'impression du manuscrit. Voilà, pour conclure, on sera tous d'accord pour dire que finir sa thèse, au bout de 3 ou 7 ans, peu importe, ça représente un bel aboutissement. Alors félicitations à toutes et à tous. Merci Valentine. J'avais une question à vous poser. Vous êtes donc partie au Vietnam pendant 1 an et demi, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez rencontré des réticences de la part des couples dont vous avez étudié le mode de vie? Est-ce qu'il a fallu vraiment user de palabres pour les convaincre, ou est-ce qu'ils étaient en général plus comment dire, accessibles? En réalité, j'étais assez étonnée parce que les gens ont accepté assez facilement de me raconter leur histoire. Et je me suis mis à leur place et je me suis dit que je ne sais pas si j'aurais eu finalement la même facilité à répondre à les questions d'inconnus. Voilà. Merci. Oui, effectivement, moi non plus, je ne serais pas si je serais très enclin à répondre aux questions de quelqu'un venu de l'autre bout du monde sur mon intimité dans le couple. Bref, nous allons partir sur quelque chose de plus appliqué, qui intéresse le corps humain. C'est le travail de Marie Tisserand, qui a soutenu sa thèse sur les lésions ischémiques en IRM de diffusion. Monsieur le recteur, monsieur le président, monsieur le directeur du Collège des écoles doctorales, madame et messieurs les présidents d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, donc j'ai commencé mon doctorat en novembre 2012, comme beaucoup d'entre vous. Et pourtant, j'étais déjà docteur. J'étais docteur en médecine. Donc cette décision de m'inscrire en thèse de neurosciences a donc suscité beaucoup de curiosité de la part de mon entourage. Une question revenait sans cesse, sous des formes à peine différentes. Mais pourquoi un autre doctorat, après 11 ans d'études de médecine? Alors oui, pourquoi un autre doctorat? Alors je ne suis pas certaine qu'à l'époque, mes réponses aient été très pertinentes. Je pourrais décidément mieux répondre aujourd'hui. Car en effet, je trouve plus de 1000 bénéfices à avoir fait un doctorat. Alors, outre les opportunités professionnelles qui me sont proposées aujourd'hui, je retiens surtout la fierté d'avoir pu mener à bien ce projet, le bonheur d'avoir fait des rencontres merveilleuses et le plaisir de penser différemment. Alors, tout n'a pas été aussi simple que cela. Je pourrais faire un parallèle avec la psychanalyse, qui pourra peut-être surprendre certains d'entre vous. Ce doctorat m'a beaucoup coûté, mais qu'est-ce qu'il m'a enrichi ? Donc, j'ai soutenu ma thèse en septembre 2015, devant mes pères, devant ma famille et ceux qui me sont chers. Et la petite anecdote personnelle, c'est qu'en l'espace de 4 heures ce jour-là, j'ai eu la joie d'obtenir mon doctorat avec les félicitations du jury et de recevoir une demande en mariage. Alors, probablement les dégâts collatéraux du doctorat. Donc, je suis très heureuse, très fière d'être aujourd'hui avec vous et très honorée de partager ce moment unique dans une vie, dans ce lieu magnifique qui est chargé d'histoire, et je vous remercie. Merci beaucoup. Une question s'impose, le sujet de la troisième thèse.
Voilà, c'est effectivement un petit sujet de taquinerie avec mes proches, puisqu'ils ont déjà posé la question du deuxième doctorat, et là, je cherche encore pour le troisième, une petite pause s'impose. Jamais 203, on se retrouvera dans quelques années à nouveau en Sorbonne. Merci beaucoup. Nous passons désormais la parole à Gérald Bétan de Marais. Le titre de sa thèse, Contrôle et régulation des établissements de crédit, contribution à l'étude de l'efficacité de la régulation des établissements de crédit. Bonjour, c'est assez impressionnant d'être devant vous aujourd'hui. Limi, je pense que c'est pire que la soutenance de thèse. On doit en tout cas nous le vivre ici comme ça. Je me nomme Gérald Bétan. Je suis très heureux que le Centre de droit des affaires et de gestion de Paris 5, l'Université de droit de Descartes, m'ait choisi pour la représenter devant vous aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement donc, le professeur Arnaud Vergne, qui est directeur de l'école doctorale, et mon professeur directeur de thèse Nicolas Maté, qui m'a supporté pendant ces quatre années de recherche qui ont abouti à une soutenance de thèse. Donc je vais commencer par me présenter. J'ai fait un Master 2 au sein de l'Université de Paris 2, Paris 5, en droit. Puis après, j'ai étudié à HEC Paris. Et après, j'ai eu l'idée saugrenue de faire une thèse. Je me suis dit, tiens, pour quelqu'un qui n'a pas son bac, quelqu'un qui a fait une capacité en droit, ça peut être une bonne idée. C'était un défi, c'était une épreuve, c'est un super accomplissement personnel et professionnel. Et c'est aussi pour ça que je suis très fier de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui. À mon sens, aujourd'hui, le doctorat, c'est un cycle à part. Il est à la fois une période d'études, mais il est aussi une formidable préparation au monde professionnel. À travers le doctorat, nous renforçons des compétences acquises tout au long de nos précédentes études, mais aussi nous préparons notre avenir. Pour ma part, j'ai créé une société de conseil et j'ai créé aussi une association qui est destinée à favoriser et à permettre la reconnaissance du statut de docteur entrepreneur ou doctorant entrepreneur. Tout le monde s'accorde à dire que la reconnaissance du doctorat est encore trop faible comparée aux efforts importants, nécessaires et aux compétences personnelles et professionnelles qui sont acquises tout au long de ce cycle. Notre diplôme est à mon sens un sésame qui permet l'accès à une multitude de carrières, à la fois dans le monde de l'enseignement, mais aussi dans celui de la recherche et de l'entreprise. Chaque docteur présent, diplômé de l'année 2015, connaît les difficultés du doctorat que sont la solitude, la fatigue, l'incompréhension et parfois le sentiment de désespoir. Cependant, la volonté, le courage et la persévérance ont été nécessaires pour mener à bien un tel projet ambitieux. Cela permet de surmonter toutes les futures épreuves personnelles et professionnelles que vous rencontrerez et que je rencontrerai sûrement après. Pour toutes ces raisons, le docteur doit être reconnu comme une personne dont les qualités et les compétences font de lui un acteur majeur de notre société. Il y a tant à dire et surtout à faire qu'il me faudrait monopoliser plus de temps que je n'en ai pour pouvoir parler du doctorat. Alors je terminerai donc en formulant deux idées sous la forme d'un souhait et d'un conseil. Je formule le souhait que notre première promotion de 2015 de l'Université Sorbonne Paris Cité et les futures promotions de l'USPC puissent être fiers de ce beau diplôme et ainsi favoriser sa reconnaissance. Enfin, en guise de conseil, je rappellerai ce que mon directeur de thèse m'a dit à la fin de mon doctorat. Le doctorat n'est pas une fin, ce n'est qu'un commencement. Merci. Un discours rempli de sagesse. Voilà. Nous allons passer maintenant et appeler à la barre Brian Piroli, qui a obtenu le titre de docteur pour ses travaux sur la plus large... Sur la plus large... La pluralité et extension du journalisme de voyage. Nouveaux acteurs, nouvelles pratiques et nouvelles attentes. Eh
Bon, c'est difficile pour vous aussi, c'est rassurant, hein, pour nous les étrangers. Hein. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc il faut que je vous explique quelque chose. Aux États-Unis, c'est l'accent, hein, on a une image de la Sorbonne, cette université de Victor Hugo et Marie Curie, hein, dans toute sa grandeur. En 2008, quand j'ai décidé de commencer mes études en France avec un master, j'étais comme un gamin à Noël, tout prêt à entrer dans ce fameux bâtiment dont j'ai toujours rêvé. Et puis, je suis arrivé à Sancier, à Paris-Trois. Et j'étais sûr que je me suis trompé de l'adresse. Mais bon, comme on dit en français, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, à l'intérieur de Paris-Trois, bien entendu, j'ai trouvé une équipe formidable à l'Institut de la communication et des médias. J'étais entouré par des collègues qui m'ont aidé à trouver mon chemin et de naviguer le système français, et surtout de réussir. Et donc aujourd'hui, voilà le résultat. J'ai terminé mon master, et puis, après 3 ans, ma thèse. Et maintenant, Dr. Brian de la Sorbonne. Oui, ça fait classe aux États-Unis. Dans mon petit coin de Pennsylvanie, et ma famille et mes amis sont tous impressionnés. Hein. Mais ils ne sauraient jamais, hein, cependant, le sentiment d'avoir réussi à la Sorbonne, surtout en tant qu'étranger, hein, avec un prénom qui est une blague éternelle. Mais je suis trop reconnaissant pour cette expérience, et j'espère que vous aussi, les autres docteurs, si vous venez de la France ou d'ailleurs, que vous êtes fiers aussi. Hein. Fier d'être allé jusqu'au bout avec notre éducation, hein, et de faire partie de cet établissement historique. Donc, j'attends depuis 5 ans pour voir la Sorbonne de mes rêves. Et ici, dans cette belle salle, je suis arrivé, enfin. Comme les autres étrangers, je remercie l'université et surtout ce pays, la France, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je vous souhaite tous une très bonne continuation. Dr. Brian has a wonderful ring to it. Je me trouve sur votre gauche en compagnie de Christine Clerici, présidente de l'Université Paris Diderot et qui souhaitait dire quelques mots ce soir. Merci beaucoup. Juste quelques mots pour dire que finalement, moi qui ai passé ma thèse il y a plusieurs dizaines d'années, les choses n'ont pas changé, donc il y a une certaine constance, même si finalement l'enseignement supérieur et la recherche subit beaucoup de modifications, la constance de l'angoisse et du bonheur du doctorant et du docteur sont intactes. Et donc voilà, vous pouvez prévenir vos collègues pour les futurs doctorats, ça sera toujours pareil. L'autre chose, c'est peut-être de dire aussi qu'il faut quelque part, à travers ces docteurs, penser aux encadrants et donc aux directeurs de thèse qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, qui sont souvent aussi angoissés que les docteurs sur la fin du doctorat, la réalisation et ce que ça peut vous apporter, parce que je crois qu'il y a aussi un investissement très personnel des directeurs de thèse dans leurs doctorants, et je voulais donc les féliciter aujourd'hui. Et puis, d'autre part, dire ce que représentent les docteurs pour une université. Les docteurs pour une université, ça représente aussi la qualité de la recherche. Vous participez chacun, et on l'a bien vu, à cette recherche d'excellence que nous avons dans nos universités. Et sans les docteurs, nous n'aurions pas cette excellence, nous n'aurions pas des labos de recherche qui fonctionnent aussi bien. Et donc, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous avez réalisé et ce que vous nous avez apporté aussi pour notre université. Voilà, je souhaite que, comme vous, le doctorat soit reconnu beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement, parce que c'est aussi quelque chose qui apporte une autre vision, en fait, de l'enseignement supérieur et la recherche. Et vous êtes désormais nos ambassadeurs. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons maintenant nous élever vers les sphères un peu plus éthérées du monde artistique avec Nathalie Borget,
qui a soutenu sa thèse sur la réception, la médiation et les expériences esthétiques des œuvres d'art dans des classes de français comme langue étrangère de niveau avancé. Alors, mesdames, messieurs, je suis très honorée aujourd'hui de représenter l'école doctorale ED 268, langage et langue, description, théorisation et transmission. Alors, j'ai fait ma thèse en 3 ans sur la réception, la médiation et l'expérience esthétique des œuvres d'art en classe de français comme langue étrangère, sous la direction de Jean-Paul Narcicombe et de Joël Aden. Alors, les deux questions que je me suis posées étaient les suivantes. Quelles sont les capacités langagières et transversales développées par la réception esthétique des œuvres d'art plastiques et des œuvres d'art photographiques et picturales? Et la deuxième question était, peut-on mettre en œuvre une expérience esthétique au sein d'un dispositif pédagogique? Alors, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas répondre à ces deux questions aujourd'hui. Mais sachez que j'ai vécu cette expérience de thèse comme une expérience esthétique, au sens où John Dewey l'a défini dans son merveilleux ouvrage « Art as an Experience ». Alors, qu'est-ce qu'une expérience esthétique ? Une expérience esthétique, c'est d'abord un événement mené jusqu'à son terme. Et nous sommes là tous aujourd'hui pour en témoigner. Une expérience esthétique est traversée de doutes, d'angoisse, d'incertitude, d'interrogation. Et je crois que nous le savons tous. Une expérience esthétique peut être douloureuse, mais une expérience esthétique permet une transformation de soi, une transformation de ses représentations et de ses préjugés. Einstein disait « Il est plus facile de désintégrer un atome que de détruire un préjugé. » Pour moi, en tout cas, cette expérience esthétique a détruit le préjugé suivant. Non, le chercheur n'est pas un être solitaire. Le chercheur entre en résonance, en synergie avec d'autres chercheurs, et c'est ce que j'ai fait grâce aux autres membres du laboratoire auquel j'appartiens, le DILTEC, donc le laboratoire de didactique des langues, des textes et des cultures. Et puis, une dernière chose, c'est qu'une expérience esthétique aboutit à une forme de plaisir et je suis ravie, très très heureuse de pouvoir partager le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci à vous et félicitations à tous. Merci. Nous accueillons désormais Yu Yu. Son sujet de thèse, premier pas de la géométrie énumérative non archimédienne. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir. Yu Yu, c'est mon nom chinois. On m'appelle aussi Tony en France. Et je suis docteur en mathématiques. J'ai fait ma thèse à l'Université Paris 7. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une expérience que la thèse m'a apportée. C'est l'esprit de l'indépendance dans la recherche. Quand j'ai commencé ma thèse, j'essayais de lire beaucoup de livres et d'articles. Mais mon directeur de thèse m'a dit que je ne peux pas avancer en lisant des livres. Parce que dans les livres, il n'y a que des choses déjà connues. Or, le but de la thèse est de trouver des choses inconnues. Pour trouver des choses inconnues, il faut avoir le courage d'être indépendant. Il s'agit de poser des questions que personne n'a posées et de chercher des réponses que personne ne connaît. Cet esprit de l'indépendance a rendu mon étude doctorale comme une aventure. Je me sens comme un explorateur dans un nouveau monde où se cachent beaucoup de trésors.
Je m'efforce de les découvrir. Cela m'était excitant et enrichissant. Après les découvertes, je me rends aux conférences de recherche aux quatre coins du monde pour être partagé avec les autres chercheurs. C'était un moment plein de joie. Pour conclure, la thèse m'a transformé d'un étudiant en un chercheur. C'était une très belle expérience dans ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé pour la petite erreur, enfin pas la petite erreur sur le prénom, mais qu'on n'ait pas mis votre nom d'usage en France. Ah. Veuillez m'en excuser. Il n'y a pas de souci. Ah, vous avez une question ? Je peux avoir effectivement une question. À la lecture de l'intitulé de votre sujet de thèse, je me suis dit que je ne connaissais rien d'Archimède, sinon le principe de la plongée des corps. Est-ce que vous seriez capable de résumer en deux phrases qu'est-ce que la géométrie énumérative non archimédienne ? Peut-être je peux dire un mot sur la terminologie non archimédienne. En fait, ça n'a rien à voir avec Archimède. C'est une chose très simple. On sait que si on prend... Donc d'abord, j'explique qu'est-ce que c'est Archimédien et puis j'explique qu'est-ce que c'est non Archimédien. Donc Archimédien, c'est tout simple. Si on prend deux nombres, A et B, et on regarde... peut-être vous n'êtes pas tous mathématiciens, donc... Non, sûrement pas. Sûrement pas. Va falloir être très simple. Oui, donc j'ai dit très rapidement, si on a deux nombres, si on prend la valeur absolue de A plus B, on sait que c'est toujours inférieur ou égal à la somme de valeur absolue de A plus la somme de plus la valeur absolue de B. Je crois que c'est dans... Sans tableau blanc, ça va être compliqué, je pense, là. Je pense que dès qu'on apprend les nombres négatifs, on connaît cette inégalité. Donc, ça s'appelle, s'appelle H-médian. Et dans le monde non H-médian, cette inégalité devient plus forte. C'est-à-dire, on remplace la somme de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B par le maximum entre les deux. OK. C'est pourtant clair. Merci beaucoup. Ça peut éventuellement rappeler à certains des mauvais souvenirs de collège et de lycée. Bon. On va partir de manière diamétralement opposée maintenant et s'intéresser aux langues et à leurs échanges avec les travaux de Joseph-Jean-François Nunez pour son travail sur l'alternance entre créole afro-portugais de Casamance, français et wolof au Sénégal, une contribution trilingue à l'étude du contact des langues. Merci. Si vous permettez, avant de commencer, j'aimerais dire... Yes, pour tout le monde. Avec moi, yes. C'est pas tous les jours qu'on devient docteur. Alors... Après mon Master 2 à Dakar, au Sénégal, j'ai voulu faire une thèse sur la façon dont les créolophones casamancés parlent en mélangeant les langues, parce qu'ils sont plurilingues. J'ai pu la réaliser à l'INALCO avec comme intitulé « L'alternance entre créole afro-portugais de Casamance, français et wolof au Sénégal, une contribution trilingue à l'étude du contact de langues ». Les raisons qui m'ont poussé à faire cette thèse sont, d'une part, le peu de travaux consacrés au créole de Casamance et, d'autre part, l'étape importante que constitue la thèse dans le milieu donc, de l'enseignement et de la recherche,
domaine professionnel dans lequel je souhaite faire carrière. Grâce à la thèse, j'ai pu nouer des contacts avec beaucoup d'universitaires à travers le monde entier. Sur le plan beaucoup plus personnel, la thèse m'a apporté de la rigueur dans la démarche et l'instinct du perfectionnisme, même si j'ai perdu une bonne partie de mes fichiers à la fin de la rédaction, mais ne vous en faites pas, j'ai retenu la leçon. Alors donc, sur ce, donc, je souhaite donc bon vent à tout le monde. Et donc, jusqu'à présent, donc, pour moi, c'est être docteur, c'est quelque chose de très fort parce que j'ai toujours vu des gens, donc des docteurs. Je me suis dit, quand on présente des gens en lisant docteur tel, je me dis waouh, waouh. Et donc, aujourd'hui, je suis fier d'être donc docteur. Je vous remercie. Yes. Merci, merci docteur Nunez. Et j'apprécie ce « yes » jouissif. Et vous avez tout à fait raison tous ce soir d'être extrêmement fiers. J'appelle maintenant Laurélie Poulard, qui a rédigé sa thèse sur la conception de colorants et photosensibilisateurs organiques à base de carbénium étendu. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse aujourd'hui de célébrer avec vous ce moment spécial qui met à l'honneur une réussite, notre réussite, celui de l'achèvement d'une thèse et d'une formation d'excellence, le doctorat. Je me présente. Je suis Laurélie Poulard, tout fraîchement diplômée et docteur. J'ai réalisé ma thèse au sein du laboratoire ITODIS, Interface, Traitement, Organisation et Dynamique des Systèmes, à l'Université Paris-Diderot, sous la direction du docteur Philippe Lenné. Ma thèse portait sur la conception de colorants et de photosensibilisateurs à base de carbénium étendu. En quelques mots, il s'agissait de synthétiser de nouvelles molécules aux structures originales présentant des propriétés optiques et spectroscopiques remarquables en vue de diverses applications, dans les domaines tels que l'énergie, les technologies de l'information et la médecine. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai choisi de faire une thèse car je me destinais à la recherche. La science, la chimie, la biologie sont une véritable passion en ce qui me concerne. Ce qui me plaît dans la recherche, c'est l'autonomie dont ils font faire preuve. C'est l'esprit de curiosité, mais c'est aussi cette notion de dépassement de soi. À mon sens, c'est une véritable chance de pouvoir évoluer dans ce domaine et de pouvoir en faire son métier. Je tiendrai de cette thèse. C'est 3 longues années de travail, d'un véritable investissement professionnel et personnel, 3 longues années de haut et de bas, de passion, de patience, de remise en question, de doute, mais aussi de petits moments magiques quand on obtient enfin un résultat. Mais c'est également une fierté et un accomplissement quand on arrive au bout. Pour ma part, j'ai eu mon lot de surprises, bonnes et mauvaises, et de découvertes. Par ailleurs, l'un des résultats de ma thèse a fait l'objet notamment d'un brevet et assez récemment du prix Innovation Paris Diderot 2016. Et c'est l'une des joies que peut apporter une thèse, la reconnaissance de ses travaux, des efforts et du travail fourni. De plus, cette thèse m'a également beaucoup apporté d'un point de vue personnel. J'ai énormément appris sur moi-même, concernant mes qualités, mes défauts, en particulier mes défauts, les points sur lesquels j'ai dû m'améliorer. J'ai appris à avoir davantage confiance en moi, à m'affirmer, mais également à communiquer, échanger plus efficacement. Lors d'une thèse, on apprend également à faire face aux doutes, à rebondir face à l'échec. Pour conclure, ce fut une très belle aventure humaine et professionnelle que je ne regrette absolument pas. Au contraire, à présent, je suis en postdoctorat au sein du laboratoire ITODIS, où je suis investie d'un nouveau sujet de recherche, toujours en synthèse organique. Par la suite, je souhaiterais poursuivre dans la recherche, mais dans le secteur du privé.
Et je tiens à chaleureusement remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui et d'avoir organisé cette journée spéciale pour nous. Et sur ce, je laisse la parole au prochain intervenant en vous souhaitant à chacun et à chacune une très belle cérémonie. Merci. Merci Laurélie. J'avais une petite question pour vous, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un petit peu sur le prix que vous avez reçu, le prix d'innovation? En quoi consistait ce... C'était un concours, j'imagine? Donc oui, c'était un concours. En fait, il y avait trois prix qui étaient réservés pour la science en général, pour la médecine et pour les sciences sociales, les lettres. Et ce prix mettait en avant les travaux de recherche qui ont donné lieu à de l'innovation et dans certains cas à des brevets. Et dans le cadre de ma thèse, on a fait une découverte par sérendipité, comme on dit. Et sans faire exprès, pour ceux qui ne sauraient pas. et du coup, ça a fait l'objet d'un brevet. Et grâce à ce prix, je peux poursuivre un postdoctorat au sein du même laboratoire et développer ce brevet et donc ces nouvelles molécules aux propriétés remarquables. Je pense que Laurélie remérite certains applaudissements de votre part. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant et accueillir sur scène Hawa Koulibaly, qui a travaillé sur les territoires de la coopération décentralisée dans la région de Koulikoro, au Mali, l'injonction de la mobilisation des associations de migrants. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter le 2382 de l'Université Paris Diderot à cette cérémonie des docteurs. Alors, j'ai travaillé sur la participation des migrants dans la mise en œuvre des projets de coopération décentralisée au Mali. Ma thèse est partie d'un constat, c'est que parfois, par stratégie de captation des ressources migratoires, les collectivités territoriales et les associations de migrants décident de s'engager dans une mobilisation collective afin de réaliser des projets de développement destinés aux lieux d'origine des migrants. L'intérêt de ma thèse est que, d'une part, elle a permis de démontrer comment cette mobilisation collective contribue à fabriquer des territoires de coopération au Mali. Et d'une part, ma thèse a également démontré la complexité du croisement des pratiques de migration et de coopération dans le sens où les retombées de l'engagement au nom de l'intérêt général couvre aussi des stratégies de récupération politique et sociale de la part de certains acteurs. Alors, au début de ma thèse, en fait, j'ai été marquée par une anecdote. C'est que lors de mes premiers séjours de terrain dans les villages au Mali, en tant que femme, j'ai été prise à partie par certains hommes, en fait, qui pensaient que je venais dans les villages pour recruter des jeunes et des femmes pour un parti politique quelconque. Parce qu'effectivement, au Mali, ce sont les femmes et les jeunes qui votent majoritairement. J'ai dû m'expliquer là-dessus et les séjours qui ont suivi se sont très bien déroulés. Et étant en situation de handicap, rien ne me destinait à faire une thèse, mais les circonstances de la vie m'ont offert aujourd'hui le bonheur de représenter mon école doctorale à cette cérémonie des docteurs. Et mon parcours se résume en une phrase que je désire aujourd'hui transmettre à vous tous, c'est que gardons espoir en toutes circonstances. Si je devais recommencer ma thèse, je le referais exactement dans les mêmes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup et encore félicitations, docteur Koulibaly. Alors, dans la distribution avec Grégory des sujets de thèse pour ce soir, j'ai fait exprès, bien entendu, de faire en sorte que j'ai les sujets de thèse les plus courts pour que Grégory se retrouve le plus souvent en grande difficulté avec des phrases longues et des termes difficiles à prononcer.
Nous accueillons maintenant Amélie Yavchits. Le titre de sa thèse, Communication des résultats scientifiques dans les essais randomisés, contrôlés et les revues systématiques. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à représenter mon école doctorale, le D393. Le temps qui a séparé la date de soutenance de ma thèse en octobre dernier et ce jour de cérémonie m'a permis finalement de réaliser une courte introspection sur pourquoi j'ai réalisé cette thèse et ce que cela m'a permis. Finalement, j'effectue le métier de médecin anesthésiste et j'ai apprécié de prendre le temps de la recherche pour effectuer ma thèse à côté de mon métier. Avoir pris le temps de la thèse, cela veut dire beaucoup de choses pour moi. Cela m'a permis de prendre le temps, de construire et de mener à bien un projet scientifique, techniquement réalisable, et ça sous le regard bienveillant de ma directrice de thèse, que je tenais à saluer ce soir, même si elle n'est pas ici. Cela m'a permis de prendre le temps d'intégrer un laboratoire d'une grande rigueur scientifique et d'y avoir construit des liens très forts, tant sur le plan professionnel que sur le plan amical, et j'espère que ces liens vont perdurer longtemps. Et surtout, pendant ces 4 années qu'ont duré ma thèse, je suis sans cesse passée d'une temporalité à une autre. Celle de l'anesthésie, très rapide, son côté on-off, et celle de la recherche, qui nécessite au contraire le temps de la maturation. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de mener à bien ce projet. Bien que je ne sois pas physicienne, j'ai parlé beaucoup de temps, et je voudrais vous dire à tous bonne continuation dans votre projet de recherche. Merci. Merci Amélie. À la lecture de votre sujet de thèse, je me suis dit waouh, c'est génial. C'est l'inception des thèses. C'est de la science qui parle de science. Je me trompe ? Tout à fait. Tout à fait, je me trompe ou c'est tout à fait ça ? Donc effectivement, mon travail de thèse était de faire de la recherche sur la recherche. Donc c'est la science qui parle de la science. Donc c'est ça. Et votre diagnostic sur la recherche, docteur ? Ben, il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la recherche. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ensuite, nous allons accueillir Christina Marie Maria Selvam, qui a travaillé sur l'immunogénétique de la polyarthrite rhumatoïde chez les Tamouls du sud de l'Inde, polymorphisme des gènes impliqués dans la réponse immuno-inflammatoire et leurs influences sur le phénotype. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Christina n'étant pas francophone, elle a quand même pour l'occasion rédigé son speech en français et je vous demanderai d'être indulgent avec elle et de lui prêter toute votre attention. Merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Christina. C'est un vrai honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Je représente à la fois l'Institut de recherche et l'hôpital Jupmer de Pondichéry. Cet institut est le fruit de visionnaires français qui ont fondé l'École de médecine de Pondichéry il y a bientôt 2 siècles. Je suis donc très fière de représenter cet héritage franco-indien de la recherche en médecine tropicale. Je vais commencer ce programme doctoral en co-tutelle avec Paris Diderot il y a 5 ans. Ce formidable projet de coopération indo-français était le premier de son genre en Inde et donc avec toutes les difficultés de projets pionniers, sans parler de challenges interculturels. Au fil des années, ce travail de recherche a envahi mon quotidien, le fruit ma seule préoccupation, jusqu'à la découverte du cancer de ma mère. Lorsque ma mère est décédée, je me suis sentie perdue à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. L'abandon de mon projet incomplet me semblait une évidence. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai surmonté, voire gagné, grâce au soutien de plusieurs personnes, mes mentors, mes amis et d'autres encore inconnus, des Indiens, des Français et autres, très humains et certainement exceptionnels. Aujourd'hui, je peux dire que je suis à la croisée de cultures comme à la croisée de ma destinée. Ces journées marquent en effet la fin d'une période de ma vie, c'est aussi le premier jour de ma vie future. Ce diplôme sera plus qu'un atout pour la suite de ma vie professionnelle, certes, mais ce parcours a aussi contribué à façonner un bout de mon identité et me façonner de trouver l'empathie humaine dans les lieux
et de conditions les plus incroyables. En toute humilité, je constate que j'ai apporté ma pierre à l'édifice de l'esprit scientifique et comme l'a dit Nikola Tesla, je suis consciente que la scientifique ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que ses idées visionnaires soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur qui sème pour l'avenir. Sa mission serait plutôt de poser la pierre, le fondement, la base pour ceux qui sont à venir et de leur montrer la direction. Il vit, travaille et espère. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci. Thank you. Christina. I believe as you're more comfortable speaking in English. I was wondering if there was an English translation of your PhD title. Immunogenetics of rheumatoid arthritis in Tamil population of South India. Polymorphism of genes implicated in the immunoinflammation as well as their influence on the phenotype of the disease. Thank you. I still don't understand the... Thank you very much. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Valentin Marron. Et dans la distribution, je me suis trompé. C'est mon premier sujet long. Une reconstruction conjointe de la dynamique et de la gravitation newtonienne, conception et évaluation d'une séquence d'enseignement inspirée par l'histoire et l'épistémologie de la physique. Bonjour. Alors, c'est intéressant de parler une fois que tout est fini, parce que finalement, c'est l'occasion d'être honnête. Alors, une des questions, c'était pourquoi avoir fait une thèse ? Et en fait, depuis le lycée, il y a une question qui m'a fasciné et qui m'a jamais vraiment lâché depuis. Ça m'a amené à étudier la physique et puis la philosophie aussi. Et puis un jour, alors que j'avais arrêté les études, j'ai eu envie de me consacrer sérieusement à ce questionnement que j'avais au lycée, cette obsession, qui avait bien sûr évolué depuis, mais qui était toujours là. Mais bon, il fallait aussi gagner sa vie. Alors j'ai réfléchi à un travail alimentaire qui me laisserait suffisamment de temps et surtout suffisamment de liberté pour mener mon projet comme je voulais. Et le sujet qui est écrit ici, en fait, ce n'est pas du tout le projet en question dont je vous parle, qui n'est pas académique, mais c'est le travail alimentaire que j'ai trouvé. C'est un CDD de 3 ans à l'université sur un thème qui m'intéressait aussi beaucoup, que j'ai choisi, qui m'intéressait de manière secondaire, mais qui se prêtait à un travail universitaire et donc à un travail tout court, en fait. Et donc, pendant ma thèse, j'ai été en parallèle sur plusieurs projets. Et ce que j'en retiens, pour moi, c'est que le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça a été plutôt bénéfique. Ça m'a permis de pouvoir passer d'un panier à un autre, selon les fluctuations de la motivation, selon les envies. Et notamment, parfois, de redécouvrir complètement mon sujet de thèse, après l'avoir quasiment oublié pendant un certain temps. Et j'ai l'impression que cette discontinuité, pour moi, elle a été assez saine, finalement, pour nourrir un enthousiasme avec des sources tout à fait distinctes, et surtout un enthousiasme qui pouvait se transférer d'un projet à un autre, un peu comme par contagion de la motivation. Et à propos de transfert, la thèse en elle-même, elle m'a apporté aussi beaucoup d'autres choses qui ont eu et qui continuent d'avoir une influence vraiment importante sur mes autres projets. Voilà. Et notamment donc, un certain sens de l'écoute, du dialogue, une expérience de partage et de discussion d'idées, donc autant les miennes que celles des autres, l'observation de comment les idées peuvent évoluer sur un temps assez long, se restructurer, une expérience d'organisation aussi, sur un projet assez volumineux, et puis une expérience d'écriture d'un gros document quand même. Voilà, et enfin, ça m'aura permis de réaliser que finalement la recherche et l'enseignement, ça me plaisait assez bien, au-delà de l'opportunité de la thèse,
et en tout cas suffisamment pour envisager cette voie peut-être comme un travail plus tard, si les circonstances s'y prêtent. Merci. Je me trouve sur votre gauche. Merci Valentin pour ce témoignage honnête. Ça demande, je pense, du courage de se positionner comme ça devant une assemblée. Merci encore pour votre honnêteté et votre intégrité intellectuelle. Je vais maintenant céder la parole à monsieur le président de l'Université Paris Descartes, monsieur Dardel, ici présent, qui va partager avec nous une ou deux anecdotes concernant sa propre thèse. Merci Grégory. Madame le vice-chancelier, chers collègues docteurs, parce qu'ici il y a des anciens docteurs et des nouveaux docteurs, mais tout le monde est presque docteur. Et les docteurs, c'est un peu une communauté initiatique, hein, ça participe un peu de la même chose. Il y a des longues épreuves pour accéder à la communauté. Après, il y a un rite de passage, c'est la rédaction du manuscrit et la soutenance. Et puis après, vous faites partie de la communauté. Donc aujourd'hui, on est heureux et fiers de vous avoir dans cette communauté. Alors, je me suis demandé ce que j'aurais dit si j'avais été à la place de ceux qui ont pris la parole. Et j'ai essayé de me souvenir de ce qui me restait de mon expérience de thèse, qui remonte à une trentaine d'années, donc c'était il y a longtemps. Et quand le temps passe, on se souvient que des choses qui sont agréables. C'est un effet de la façon dont fonctionne notre cerveau. Et je voulais juste vous raconter deux anecdotes et les leçons que j'en tire maintenant avec 32 ans de recul depuis la soutenance de ma propre thèse. Alors, je suis biologiste moléculaire et j'ai fait ma thèse à une époque où on commençait à faire du séquençage de l'ADN. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'était une technologie qui démarrait et c'était très et qui avait une particularité, c'est qu'on utilisait des doses massives d'isotopes radioactifs qui arrivaient comme ça un jour donné et qui avaient la mauvaise habitude de se dégrader très. Donc, il fallait faire l'expérience sur une durée très courte. Donc on passait la nuit en équipe à travailler sur des systèmes qu'on avait fabriqués nous-mêmes. Les appareils étaient rafistolés à l'araldite et l'étanchéité était faite avec de la pâte à modeler. Donc c'était de la haute. Et on avait ces moments nocturnes où on attendait que l'expérience se fasse, où on avait des échanges extrêmement riches entre collègues, avec une parole très libre, et où la différence entre les chercheurs confirmés et les jeunes doctorants était gommée par ce moment nocturne que je conserve. Alors, pour relativiser ce qui a occupé ces deux premières années de ma thèse, aujourd'hui, ce qu'on a fait en deux ans, la technologie s'est améliorée d'un facteur supérieur à 1 milliard. Et donc, une machine est capable de le faire en quelques heures, 1 million de fois en parallèle, et pour un coût qui correspond à moins d'une semaine de salaire d'un doctorant. Donc, ça relativise ma contribution à la science dans ce domaine, mais pas tout à fait. Parce que je considère que la connaissance qu'on a apportée à l'heure actuelle fait partie de la dynamique générale de la science et de la connaissance. C'est une approche de construction. On construit le savoir, on construit ses outils, on construit ses concepts. Et cette construction participe à un édifice général. Et ce que vous avez fait pendant votre travail de thèse est une partie de cette construction qui participe à l'effort général de l'ensemble de la communauté académique. Et votre contribution, même dans plusieurs années, continuera à être là. Et elle participe à la connaissance collective et c'est très important. Le deuxième anecdote et dernière anecdote que je vais vous raconter, c'est ce qui s'est passé le jour hier. J'ai apporté à mon directeur de thèse le premier draft, comme on dit, de mon premier article. À l'époque, il n'y avait pas de traitement de texte proprement dit. On avait une machine qui pesait à peu près 200 kilos et qui avait une capacité mémoire colossale de 4 kilooctets et qui permettait de faire des choses formidables qui remplaçaient les dernières machines à écrire. Et donc, je lui apporte ce manuscrit sur lequel j'avais sué sang et eau. Et donc il le prend, et comme il ne pouvait pas corriger, puisque le concept de Word était un truc qui n'existait pas, il est revenu deux ou trois jours après, entièrement caviardé de rouge dans tous les sens, avec des ratures, des changements, des machins, et j'ai été extraordinairement déconfit de cette réaction et de cette correction. Et en même temps, après, j'ai eu une discussion avec lui, et je me souviens très bien de cette amertume que j'avais devant ce que je considérais comme un truc formidable et que lui considérait comme entièrement à refaire, de la leçon que j'ai apprise de à quel point il faut avoir du recul sur son travail, de prendre la mesure de la méthode scientifique, de relativiser ce qu'on fait, quelque chose qui est également extraordinairement important. Et ces deux moments importants de ma thèse, je m'en souviens encore aujourd'hui, 32 ans après, et je voulais vous les faire partager, et je voulais aussi vous féliciter pour tout le travail que vous-même avez accompli dans ce sens. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Donc, content d'apprendre que les machines ne remplaceront pas encore les doctorants, et ni les maîtres de conférences, j'espère. Nous passons à la troisième et dernière partie de cette cérémonie. Troisième partie, je ne sais pas si c'est une organisation cartésienne. René ? Non ? Tu réfléchis ? Ok, d'accord. Nous accueillons maintenant Mélanie Strauss. Le sujet de sa thèse, étude magnéto-encéphalographique de la profondeur du traitement de l'information auditive pendant le sommeil. Bonjour à tous, merci. Donc moi je suis aussi médecin et j'ai décidé de faire une thèse de science. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement en plus de tout ce que j'avais déjà appris, je trouverais que la recherche c'était quand même des moyens incroyables de comprendre comment ça fonctionne et donc que c'est extrêmement complémentaire avec tout ce que j'avais appris en médecine. Et en médecine on fait les choses qui sont basées sur la science, mais on n'a pas beaucoup de liberté parce qu'il faut qu'on soigne le patient et on n'expérimente pas comme ça sur lui. Alors donc je me suis dit quand même que faire de la recherche pour essayer de comprendre jusqu'où on en est arrivé et si on pouvait améliorer encore des choses, ce serait quelque chose vraiment d'intéressant et c'est ce qui m'a toujours motivée, et particulièrement comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc je me suis lancée dans cette thèse. Et donc ça m'a appris beaucoup, bien sûr, sur le fonctionnement du cerveau, et notamment comment on dort, et qu'est-ce qu'on fait en dormant. Et donc, j'ai beaucoup dormi dessus, justement. Et donc j'ai appris la démarche scientifique aussi, qui va au-delà donc, de ce qu'on applique en médecine. Et ça, c'est quelque chose quand même de, je trouve, une base extrêmement solide, avoir voilà, un esprit critique, émettre des hypothèses, imaginer des expériences pour essayer de tester ces hypothèses. Donc ça, c'était quelque chose d'assez amusant. Et puis, au-delà de ces aspects donc, scientifiques purs, ce que j'ai trouvé très très enrichissant dans la thèse, c'est l'ouverture à l'international. Donc voyager dans différents pays, rencontrer des chercheurs du monde entier, ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire et ça ouvre énormément. Et il y a peu de disciplines comme ça, je trouve, où on a cette possibilité de rencontrer toute une série de personnes. Donc j'en ai rencontré de différents pays, ça m'a beaucoup enrichi, et puis aussi de gens qui travaillent sur différents domaines de recherche, puisque bah, j'ai eu la chance d'être dans l'école doctorale Frontières du vivant, qui a cette particularité de regrouper des chercheurs de tous les domaines quasiment, et donc j'ai beaucoup échangé avec des gens qui ne faisaient pas du tout de la neurologie, pas du tout des neurosciences, voilà, et c'était super enrichissant aussi. Donc voilà, beaucoup de liberté aussi, et une des caractéristiques pour moi de la thèse, c'est sa dimension temporelle qui est toute particulière. Le temps se dilate, se mélange, les jours, la nuit, on travaille un peu tout le temps. Donc voilà, ça c'était quand même quelque chose de très particulier et quelque chose de très difficile, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps on va mettre pour faire quelque chose. Et alors ça, voilà, ça, c'est toujours, on se dit, allez, je vais faire ça en temps de temps. Et puis en fait, non, au bout de 2 jours, une semaine, 15 jours, un mois, on n'a toujours pas fait ce qu'on voulait faire. Donc voilà, ça c'est vraiment la recherche, c'est infini. Voilà, donc les qualités que je trouve que ça m'a fait développer, je pense que je les avais déjà en partie, c'est une certaine ténacité. Et voilà, je suis contente au final d'être arrivée au bout, d'avoir mené ce projet à bien, même si évidemment, encore une fois, tous les projets ne sont pas terminés. Ça va continuer, j'espère, puisque bah, du coup, je ne me suis pas découragée, je vais faire un post-doc par la suite. Merci. Merci Mélanie. Alors, vous avez donc 2 casquettes, vous êtes médecin et docteur, et vous choisissez de garder actuellement, en tout cas, la casquette docteur en principal, ou vous continuez à exercer votre activité en médecine ? En fait, j'aimerais faire les deux. Donc là, j'ai repris un poste à l'hôpital. Et puis, mais dès l'année prochaine, je vais faire de nouveau, reprendre la recherche fondamentale pour faire un post-doc. Et au final, j'espère relier les deux avec, bien sûr, aussi la recherche clinique. Et,
et j'aimerais garder voilà, cette double casquette le plus longtemps possible parce que je trouve que c'est extrêmement complémentaire. Vaste programme. Bon courage. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Thomas Lepoutre pour son travail large à la lecture de son sujet de thèse « Freud, les psychiatres et la psychiatrie ». Mes chers collègues, chers docteurs, que dire à une génération de jeunes chercheurs qui arrivent à maturité ? Peut-être pas les félicitations d'usage, peut-être plus les félicitations sincères, parce que, en un mot, moi aussi j'ai souffert. Alors, en ce moment un peu solennel de pause universitaire, sur le seuil peut-être d'une carrière académique, peut-être peut-on quand même se rappeler que rechercher, c'est rechercher, c'est-à-dire s'employer à découvrir, à trouver ou à retrouver quelque chose qui nous échappe ou qu'on aurait perdu ou égaré. L'expérience de mon propre trajet doctoral a bien quelque chose de cet égarement propre à la recherche, c'est qu'il n'y a pas de géographie de l'inconnu. J'aurais pu m'y perdre sans deux excellents directeurs de thèse qui orientent. Alors pour ma part, mais au-delà de la situation personnelle, je suis certain que plusieurs d'entre vous s'y reconnaîtront, tout s'est passé comme si je savais, et en même temps je ne savais absolument pas ce que je recherchais. D'un côté, fixité et rigueur du projet de recherche, et de l'autre, hasard et surprise, des heureuses trouvailles textuelles, en général à 19h35, c'est-à-dire au moment où on doit évacuer la BNF et où le service de la reprographie est fermé depuis 2 heures. L'un des grands malheurs du parcours doctoral vient sans doute que toutes ces heureuses trouvailles, ben, on a longtemps été peut-être assez seul à en jouir, sous le regard certes bienveillant et un peu amusé du directeur de thèse qui paraît souvent être le seul à se souvenir de pourquoi le eureka doctoral peut être aussi orgasmique. N'ayons pas peur du mot que je propose pour reprendre les moments jubilatoires évoqués par M. Mérindol. Il y a bien cette démesure vertigineuse dans la recherche. Alors de ce vertige, il nous restera sans doute ceci, en tout cas je le souhaite, conserver suffisamment de curiosité pour que l'expertise sur un sujet précis ne nous anesthésie pas trop à toute surprise de la vérité. Et puisque je viens de dire un mot pour l'école doctorale recherche en psychanalyse, à l'attention de nos futurs, je reprendrai volontiers cette formule de Cromwell qu'un certain Sigmund Freud aimait à citer comme au pivot de sa propre recherche. Parfois, dans la vie, on va beaucoup plus loin quand on ne sait pas où on va. Je vous remercie. Merci. Vous avez beaucoup souffert pendant votre thèse. Racontez-nous un peu votre enfance. Elle est facile. Désolé. Maintenant, nous allons passer la parole à Morgane Brunet. L'intitulé de sa thèse, et je respire un grand coup, « Caractérisation des processus d'instabilité affectant les îles volcaniques, application aux volcans de la montagne Pelée en Martinique à partir de l'exploitation des forages de l'expédition IODP 300. » 40. Alors, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette cérémonie dans ce cadre assez exceptionnel de l'amphithéâtre de la Sorbonne. Alors, pour ma part, l'expérience de la thèse a commencé il y a bientôt 4 ans lorsque, une fois diplômée de mon master en géologie à l'Université de Rennes, je suis arrivée ici, à Paris, à l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris, et pour donc réaliser ma thèse.
Depuis ma licence, j'ai toujours voulu me destiner donc à la recherche, un choix qui s'est conforté au fil des stages et réalisé dans différents laboratoires de recherche au cours de mon cursus. Or, ces quelques mois de stage ne m'avaient pas vraiment préparé à tout ce que j'allais vivre au cours de ces 3 années de thèse. L'excitation des premiers résultats probants, le stress des premiers posters ou des congrès internationaux, les critiques aussi des directeurs qui ne sont pas toujours agréables à encaisser, la jubilation du premier papier accepté et publié en son propre nom, mais aussi la pression, le stress des derniers mois de rédaction de thèse, puis enfin la fierté et l'exaltation au moment de la délibération et évidemment du pot de thèse. Mais ces 3 ans m'ont aussi permis de découvrir les faces cachées, les travers aussi d'un monde que je pensais assez unique et exceptionnel. Pour ma part et probablement parmi vous tous ici, j'ai aussi un peu déchanté, j'ai parfois été déçue contre un système que je ne comprenais pas toujours. Et m'amenant souvent à me remettre en question, est-ce que j'étais vraiment faite pour ça? Est-ce que ma place était bien ici? Et en fait, quand on arrive au terme de sa thèse, on réalise finalement, et surtout pour ma part, que la thèse et la recherche en général m'a finalement apporté bien plus que je n'en attendais au départ, non seulement d'un point de vue personnel, enfin scientifique, je crois qu'on est tous devenus experts ici dans nos disciplines, et donc personnel. J'ai grandi, enfin, tout est relatif, mais j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en maturité, et ça, je peux vous assurer que ce n'était pas gagné au départ. Alors, par conséquent, j'ai décidé de me donner une chance dans ce domaine, car je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. L'aventure sera certainement difficile, mais je reste convaincue qu'elle vaut au moins la peine d'être tentée. Et je terminerai par te remercier, Anne. Et également, bravo à vous tous. Et puis, vive la promo 2015. Merci Morgane, qui nous a rappelé que l'une des compétences qu'on acquiert pendant le doctorat aussi, c'est la maîtrise de l'oral, comme vous avez pu le constater auprès de nos docteurs volontaires qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous. J'ai pas vu une once de trac qui restait. On peut leur adresser encore une fois nos félicitations. On a parlé un petit peu plus tôt de psychiatrie, nous allons parler maintenant de religion. Donc on est dans l'esprit maintenant avec les travaux de Gabriel Intichère-Binkowski qui a travaillé sur la conversion religieuse, la psychopathologie et récréation biographique dans l'évangélisme autour d'une psychopathologie du fait religieux. Mesdames et messieurs, les autorités ici présentes, les anciens chercheurs, chers collègues docteurs, ma chère épouse qui est toujours là avec moi. Donc je commence en disant que je viens de l'Université Paris 13, donc c'est un peu la banlieue ici présente dans les micros. Au début de ma formation, faire une thèse de doctorat me semblait un destin proche de quelque chose comme le destin d'un ascète. C'est lui qui dédie sa vie, ou au moins une partie d'elle, à une activité, disons, spirituelle, qui vue son temps en pratique. En plus, pour un étranger venu de très loin, l'idée de travailler sur une thèse à l'Université de Paris m'évoquait toutes ces images qui défilent lorsqu'on pense à la Sorbonne. Et à l'étranger, on pense à Harvard et à la Sorbonne, qu'on en appétit. Dans la Sorbonne, donc, soit des savants se disputant avec férocité autour des sujets éthériques, soit tous ces scénarios évoqués par mai 68. Mais, pour dire vrai, dans mon cas, faire une recherche doctorale ici a été surtout une question de désir. Désir notamment de retrouver un endroit qui tient le cœur des sciences et des humanités. Et cela a été le cas pour moi, qui en plus a eu l'honneur de compter avec un contrat doctoral, d'enseigner pendant des années et de continuer à désirer de suivre dans cette voie, la recherche et l'enseignement.
Je tiens finalement à remercier l'accueil que j'ai eu en tant que scientifique ici, ce qui m'a permis de dévouer mon temps à développer de la connaissance et à échanger avec les gens venus de tous les horizons culturels, épistémologiques, de rechercher sur la place de la chose religieuse dans la vie psychique. Et aussi, je tiens finalement à parler de l'importance de la place de la psychanalyse dans l'université, dans l'université française aussi. Merci. Si, comme le disait le président Maranol, la Sorbonne n'a jamais véritablement existé comme université, nous sommes quand même contents et quelque part un peu fiers que le nom Sorbonne attire des étudiants, des doctorants et aujourd'hui des docteurs aussi brillants que ceux qui sont avec nous ce soir. Nous accueillons maintenant Yann Descamps avec un titre de thèse qui m'arrange un peu. Am I black enough for you? Basketball, médias et culture afro-américaine aux États-Unis, 1950 à 2015. Merci à toutes et tous et bonsoir. On a beaucoup parlé de l'individuel et du collectif ce soir. Je vais la jouer collectif et je vais parler uniquement des autres, hein, parce que j'ai suffisamment assez parlé de moi, comme vous tous, pendant 5 ans, à expliquer mon sujet de thèse pendant les soirées, etc. Et à voir les cocktails partir et se retrouver devant un cocktail vide. Et je ne me ferai pas voir ce soir. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais remercier mon épouse, Amélie, pour m'avoir supporté et soutenu, la nuance est d'importance, hein, supporté et soutenu, pendant 5 ans, et pour m'avoir aidé à relativiser tout ça en m'offrant une petite fille 2 mois après la soutenance, et m'offrir un titre plus important encore que celui de docteur, même si docteur c'est très très bien. Aussi je voulais adresser ma sincère admiration à tous les doctorants jeunes parents, parce que depuis que je suis papa, le seul sujet que je peux traiter, c'est le système digestif de l'enfant, la digestion des laits infantiles, ou alors la fascination mystérieuse de l'enfant pour le poulet qui fait quick quick et qu'on agite devant lui. Donc voilà, et avouez que sur un sujet, ce serait assez sympa. Bref. Donc je voulais aussi évidemment remercier les directeurs de thèse, ma directrice formidable, Divina Fromex, les ED, les EA, mon ED 514 ED et l'EA 4399, et ses directrices et directeurs, Madame Savinel, Madame Morgenstern et Monsieur Garbaille, pour leur soutien dans les différents projets qu'on a eus en tant que docteur. Mais surtout, je voulais parler de certaines personnes qui, selon moi, ne sont pas assez mises en avant et que j'ai côtoyées, que nous avons côtoyées pendant nos années de doctorat. Ils sont personnels des universités, agents administratifs, agents d'accueil, agents d'entretien, doctorants qui travaillent à l'université et qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leur doctorat et qui ont dû abandonner leur sujet. Pour moi, ils s'appellent Olivier Poursac, Olivier Burette, Anne-Laetitia, Tiphaine, René, Nathalie, Didier Mock, qui est l'ange gardien des doctorants de Paris 3, et Anne-Lucie et Ismaël, des collègues doctorants. Je nous souhaite de poursuivre nos parcours et de faire ce qu'on fait de mieux. Je nous souhaite aussi de recroiser encore le chemin de ces gens fantastiques, d'en apprécier la valeur, parce que nous faisons tous ensemble l'université française. On partage le savoir, la recherche, mais aussi on partage des liens humains extraordinaires. Et donc merci à eux et merci à vous. Bonne soirée. Merci à Yann qui nous a rappelé le rôle des écoles doctorales dans l'accompagnement des docteurs et comme il a été dit plus tôt, les inciter à peut-être ne pas arrêter en plein milieu. Il y a pas mal de discours qui ont été faits aujourd'hui qui ont mentionné le fait que c'est difficile, qu'on est souvent en proie au doute et qu'on se demande même si on ne va pas arrêter. Donc voilà, je remercie les écoles doctorales et la formation de ces institutions pour accompagner les docteurs dans cette entreprise colossale qu'est le doctorat, et vous êtes bien placés pour le savoir. Nous allons passer maintenant à Alain Bernardin Agnemémel qui va nous parler du diagnostic des méningites.
Bonjour, mesdames et messieurs, honorables professeurs, présidents des universités et responsables des écoles doctorales. J'aimerais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de parler non seulement au nom de mon école doctorale, mais aussi au nom de, du pays d'où je viens, la Côte d'Ivoire, et de tous les étudiants qui n'ont pas eu cette chance-là que moi j'ai eu de pouvoir faire ma thèse en 3 ans. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que l'histoire de ma thèse a été un parcours du combattant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un chercheur généraliste? Il n'y a que des spécialistes, mais moi, je me considère en tant que généraliste. Il y a des médecins généralistes et des spécialistes, mais moi, je suis un chercheur généraliste, dû à mon parcours atypique. Parti après 2 années en Côte d'Ivoire en sciences de la nature, puis une licence, une maîtrise et un DE en sciences et technologies des aliments, je me suis inscrit pour la première fois en thèse en 2007. Et j'ai soutenu ma thèse en 2015. Pourquoi cela? Parce que en 2007, quand je faisais en 2006 mon stage de DEA, mon responsable de stage était quelqu'un qui était en thèse et ça faisait presque 7 ans qu'elle était en thèse. Je l'ai vue et je lui ai demandé, mais pourquoi ça fait autant de temps qu'il est en thèse? Il m'a dit, ici c'est comme ça. Donc, tu n'as pas de questions à poser. Alors moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas faire comme vous. Je vais trouver les moyens qu'il faut et je ferai ma thèse en 3 ans. Donc, je me suis quand même inscrit en thèse, mais il n'y avait pas de moyens. Un an plus tard, il n'y avait pas encore de sujet thèse. Et j'ai commencé à enseigner dans les établissements privés en Côte d'Ivoire. Quand un jour, il y a un copain qui m'a dit qu'il y avait des bourses qui étaient données par la Confédération suisse, donc pour des étudiants ivoiriens qui étaient intéressés à aller se perfectionner en Suisse. Donc je suis allé me renseigner à l'ambassade. Il y avait plus de 200 candidats. On a déposé nos dossiers. Et un an plus tard, pendant que j'étais en train d'enseigner dans mon collège au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans la Cambrousse, je reçois un appel téléphonique où on me demande, monsieur, vous êtes assis? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On me demande de m'asseoir. J'ai dit, OK, je m'assois. Et on me dit, vous êtes sélectionné pour aller faire vos études en Suisse. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne croyais pas. On me l'a confirmé. Et donc, je me rends tout de suite, avec l'autorisation de mon chef d'établissement à Abidjan, à l'ambassade, où donc je suis confirmé comme accepté pour aller faire mes études en Suisse. J'arrive en Suisse alors que j'ai cru que c'était pour venir faire le doctorat pour lequel je m'étais fait enregistrer. On me dit non, c'est pour un stage de recherche. Donc, suivez un peu mon parcours. Sciences naturelles, sciences et technologies des aliments. J'arrive, on me met à faire de la synthèse peptidique, candidat vaccin contre le paludisme. Alors, je me suis dit, mais avec tout ça, qui va m'accepter dans son labo pour faire une thèse? Je dis, OK, c'est pas bien grave. Moi, je suis très diplomatique. Je n'aime pas m'énerver. J'accepte tout parce que je sais que le chef, il a toujours raison, même quand il a tort, et que c'est le début de la sagesse. Et donc, finalement, j'ai continué, j'ai fait mon stage de recherche, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont ouvert beaucoup de portes parce que, en fin de compte, souvent, quand il nous arrive malheur, on est les premiers à crier, on pleure, etc. Mais ne criez pas très tôt parce que vous ne savez pas ce que vous attendez devant. Donc, à l'issue de mes 2 ans de stage de recherche en Suisse, je m'inscris, donc, je demande des inscriptions en France pour des masters, j'obtiens une inscription en nutrition métabolisme à Paris 7 et une inscription en immunologie à Paris Sud.
comme j'avais fait des sciences des aliments, je vais en nutrition métabolisme. Donc, j'ai fait les entretiens et tout ça, je suis accepté. On me propose une liste de stages. Je choisis celle qui m'intéressait et je contacte la personne qui a proposé donc ce stage et qui me demande d'envoyer mon CV. J'envoie mon CV, je n'ai pas de réponse. J'appelle et la personne me dit, bah, écoutez, monsieur, vous êtes trop vieux parce que à votre âge, mes étudiants sont déjà en troisième année de postdoc. Ah, je dis, mais c'est très grave. Je ne me suis pas découragé. Comme j'avais deux acceptations, je suis parti à Paris-Sud. Je suis allé, j'ai fait mon master en immunologie que j'ai validé. En temps, j'ai eu ma première fille qui est née. Et donc, je me suis dit, c'est fichu, je ne peux plus faire des thèses parce que avoir un enfant, une femme à la maison et faire une thèse, ce n'est pas donné. Et donc, j'ai décidé d'aller enseigner. Donc, j'ai pris contact avec le rectorat de Versailles qui m'a proposé un poste en tant que contractuel. Donc, j'ai commencé à enseigner en tant que contractuel. Et quelque chose me disait dans la tête, mais c'est pas ce que tu dois faire. Il faut que tu t'inscrives en thèse. Et donc, j'ai commencé à postuler sur différentes choses. Et le jour de mon anniversaire, je reçois un mail provenant d'où ? De l'Institut Pasteur. Quand même, Institut Pasteur. C'est pas tout le monde qui entre là-bas, je peux vous dire. Parce que on m'a prévenu en novembre, le 10 octobre 2011, que j'étais accepté pour faire ma thèse à l'Institut Pasteur. Figurez-vous, mon admission officielle s'est faite le 15 février 2012, soit à peu près 6 mois plus tard. Vous voyez, que des difficultés avant de commencer la thèse. Donc j'arrive, finalement, je commence les travaux et mon sujet de thèse, bon, là j'ai donné un titre raccourci parce que je me suis dit peut-être qu'il ne va pas avoir assez de place pour mettre tout. Et j'étais chargé de gérer un projet qui impliquait 3 équipes de chimie. Vous vous rappelez, j'ai fait de la synthèse peptidique. Production des anticorps. J'ai fait un master en immunologie. Finalement, je me suis dit, mais en fait, on était en train de te préparer. Ce n'était pas pour te fatiguer. Et finalement, j'ai réussi à interagir avec toutes ces équipes-là. Le projet n'était pas facile, c'était très, 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 très difficile. Un jour, il y a un postdoc qui m'a demandé « Quel est ton sujet de thèse ?» Quand je lui ai dit, je lui ai expliqué, il m'a dit « Quoi ? Tu peux faire tout ça en 3 ans ?» Je lui ai dit « Oui, je peux. » Il ne croyait pas, mais quand même, j'y suis arrivé. Mais le jour de ma soutenance, c'était la transpiration totale. Je peux vous dire qu'à 30 minutes, j'étais encore dans les papiers, assis, tout seul, attendant les membres du jury. Il y a une dame que je connais bien à l'Institut Pasteur qui est venue me voir en douce, qui m'a dit, écoute, laisse tomber les papiers, tu feras que t'embrouiller. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais dès qu'elle est partie, j'ai repris les papiers. Vient le moment de la soutenance. Je me suis dit, je vais aller assister. J'avais assisté auparavant à des soutenances où ça prenait quoi, 1h30, 1h45. Je me suis dit, j'ai envie de fermer mes yeux et les ouvrir 1h45 plus tard, je suis docteur. Mais non, détrompez-vous. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Après avoir présenté mon sujet pendant 45 minutes, on m'a posé 2h15 de questions.
J'étais arrêté et en fait, j'avais acheté une nouvelle paire de chaussures pour l'occasion qui m'a serré le pied. Je ne pouvais pas les enlever. J'étais obligé d'être là. C'était un supplice. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et à l'issue de ma soutenance, imaginez, quand la présidente du jury a dit, bon, les membres du jury vont se retirer pour délibérer, quand ils sont sortis, j'ai dit, oh, et je me suis assis. J'ai attendu pendant 45 minutes avant qu'ils reviennent. Toute l'assistance était étonnée. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais, vous savez, je suis africain. Et en Afrique, on parle beaucoup de sorcellerie, des choses comme ça. Donc, il y a certaines personnes qui ont commencé à dire, ah ça, les sorciers, là, ils sont rentrés là-dedans. Mais non. Moi, j'ai dit, même s'ils sont rentrés là-dedans, ils vont venir dire que je suis docteur. Et effectivement, ils sont venus. Ils m'ont félicité avec une mention très honorable, avec les félicitations du jury. Mais j'avais tellement souffert que je ne savais pas si j'étais docteur. Finalement, donc, finalement, j'ai été désigné comme docteur. Et qu'est-ce que j'ai appris de tout cela? Je vais terminer. Qu'est-ce que j'ai appris de tout cela? Le doctorat, pour moi, c'est comme une maison qui contient un centre du savoir. Tant que vous n'y êtes pas entré, il y a un certain type de raisonnement que vous n'allez jamais avoir. Le fait d'avoir passé le doctorat m'a ouvert l'esprit. Je comprends aujourd'hui comment fonctionnent pas mal de choses. Je ne suis plus en train de suivre le flot des profanes qui, dès qu'il y a un premier coup de vent, on court à gauche et on court à droite. Non, je ne suis plus de cet ordre-là. Et j'ai décidé pour la suite, et c'est une nécessité, et c'est un appel que je lance donc à tous ici présents, aux tout nouveaux docteurs, aux docteurs qui sont originaires d'Afrique. Plus que jamais, l'Afrique a besoin de formateurs à tous les niveaux, et principalement dans le domaine de la santé. Parce que j'ai passé une partie de mes études, j'ai vu que les chercheurs n'avaient pas de moyens, à tel point que on ne cherche qu'à publier dans les papiers qui n'ont aucun impact. On s'en fout du résultat des recherches sur la société. On cherche juste à publier pour gravir les échelons, pour augmenter le salaire. Et il faudrait changer cette façon de voir les choses. Ici, j'ai vu des gens qui sont soucieux de trouver des choses, quand bien même c'est pour leur épanouissement personnel, profite aussi à la société. Donc, je m'inscris dans ces ordres d'idées. Je suis en train de déposer un projet dans ce sens. Ce projet aura pour objectif de fournir aux chercheurs africains des moyens matériels de telle sorte qu'ils puissent mener à bien ce pourquoi ils ont été formés, mais aussi il y a un travail d'éducation et de formation. Ça ne sera pas facile, mais c'est un challenge qui mérite d'être relevé. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Alain. Et merci de nous avoir rappelé que s'engager dans une thèse, c'est faire preuve d'endurance intellectuelle et physique. Nous accueillons maintenant Nikaya Smith. L'intitulé de sa thèse, c'est l'étude moléculaire de TRAIL et de l'activation de TLR7 dans les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Plasmacytoïdes, pardon. Bonjour. Lorsque l'on m'a demandé de parler de ma thèse en 2 minutes, je me suis dit que cela représentait probablement l'une des épreuves les plus difficiles de la thèse. Comment résumer les 3 années les plus intenses de ma scolarité en si peu de temps ? J'ai toujours aimé les sciences, alors tout naturellement, j'ai effectué des études scientifiques. Depuis enfant, j'entends parler du sida, qui reste un fléau mondial 30 ans après le début de sa propagation. Ça a créé une vocation chez moi. C'est décidé, mon métier sera lié à l'éradication de cette maladie. Mais de façon surprenante, je ne pensais pas que cette recherche m'était accessible. Après 3 ans de thèse, j'ai pu réaliser l'un de mes objectifs. L'expérience de ma thèse a changé ma vie. J'ai rencontré des personnes formidables, des chercheurs passionnants, d'autres thésards avec qui on a pu échanger, des ingénieurs d'une grande aide qui m'ont permis de réaliser une thèse enrichissante. La thèse, c'est une ouverture sur le monde. Ça ouvre votre esprit à la connaissance. J'ai appris à ne plus subir les informations, mais à les analyser et les comprendre. Comme tous les thésards, on passe par des hauts et par des bas. Pour ma part, j'ai eu beaucoup plus de hauts que de bas. On connaît l'excitation quand tout va dans le bon sens, quand on apprend de nouvelles techniques révolutionnaires, mais surtout quand on a la liberté d'expérimenter lorsque vous avez la confiance de votre chef. J'ai bien évidemment eu des moments où les expériences ne fonctionnaient pas. Mais ça a développé ma persévérance, mais aussi m'a fait découvrir des capacités créatives insoupçonnées. La thèse, c'est aussi se découvrir soi-même, découvrir ses limites, ses capacités. La thèse m'a également fait réaliser qu'en tant que thésard, en quelques années, on peut devenir spécialiste dans un domaine précis et ainsi pouvoir échanger avec des chercheurs du monde entier. J'ai pu réaliser l'incroyable diversité des projets de recherche et leur importance, quelle qu'ils soient. Et quand maintenant j'entends qu'il y a un spécialiste du ver de terre, cela m'évoque plutôt si élégance, ce ver qui a permis de très nombreuses découvertes en génétique par exemple. Ces 3 années de doctorat m'ont donné la certitude de vouloir devenir chercheuse. Dans quelques mois, je vais aller effectuer un post-doctorat en Allemagne et j'espère que cette expérience sera aussi enrichissante que ma thèse. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin pendant ces 3 ans, et tout particulièrement mon directeur de thèse, Jean-Philippe Herbeval, qui m'a donné toutes les clés pour réussir cette thèse. Merci. Merci beaucoup, Nikaya. Nous allons, sans plus tarder, passer à Henri-René Inchauspet pour la thèse qu'il a soutenue et qui s'intitule « De LISA Pathfinder à LISA, élaboration d'un simulateur dynamique pour la mission spatiale ELISA ». Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Donc moi, je voudrais vous partager 3 moments de ma vie de doctorant qui, je pense, illustrent bien le parcours que peut avoir un thésard durant sa formation. Alors le premier, ça concerne, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça concerne l'obtention du contrat et des bourses doctorales, qui est certainement une partie la plus délicate de la thèse. Et le jour où j'ai reçu la confirmation de mon entrée à doctorat, j'ai croisé un étudiant approchant de sa soutenance de thèse et qui m'a clairement suggéré de ne pas trop me réjouir si vite. Et avec dans le regard une expression qui semblait dire « il te reste encore du temps pour t'enfuir ». Voilà. Alors effectivement, j'ai vraiment éprouvé un début de découragement lorsqu'arrivé à peu près à la moitié de ma thèse, j'affronterais un problème qui paraissait complètement insurmontable. Je me souviens m'arracher les cheveux un soir sur des problèmes un peu sombres de mécanique spatiale, rotation de l'heure, référentiel non inertiel, peu importe. Et je m'embrouillais de plus en plus l'esprit. Cependant, à force de persévérer, j'ai non seulement fini par y voir plus clair dans ces problèmes, mais j'en ai fait aussi une de mes spécialités. Voire une de mes obsessions. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai tirée de mon doctorat, et je pense que ça a été votre cas aussi.
C'est à force de persévérance, on arrive à faire de nos spécialités ces problèmes antérieurs. Enfin, le dernier moment que je voulais discuter ici, c'est la chance que j'ai eue de pouvoir évoluer dans mon parcours de doctorant dans un contexte très excitant pour mon domaine, à savoir, d'une part, le décollage d'une mission spatiale dans laquelle j'ai travaillé et je travaille aujourd'hui actuellement, mais surtout, la première détection directe d'une onde gravitationnelle par le détecteur LIGO, vous avez sûrement entendu parler dans les médias récemment. Et c'était vraiment une chance unique d'avoir ma thèse juste à ce moment-là, alors que ça fait 100 ans que ces ondes, on les attend, on les a prédites, on les détecte juste aujourd'hui, et j'ai ma thèse plein dedans, donc c'était vraiment génial. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Last but not least, notre dernier témoignage sera porté par Lorraine Montel, son sujet de thèse, rôle de MRTF-A dans la mécanotransduction de la cellule musculaire. Bonsoir et merci à tous pour votre patience, vous qui êtes encore là, alors que je suis la dernière à parler. Alors, mécanotransduction, comme ça, ça a l'air compliqué et long comme mot. En fait, pour résumer vraiment en deux mots la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est savoir comment ça marche, la musculation, en fait. Et c'est là que j'ai pu trouver, en fait, ce que je cherchais depuis le début en sciences, c'est-à-dire à ne pas avoir à me décider entre choisir la biologie et la physique. Et finalement, étudier l'interaction que peuvent avoir les objets physiques, les poids qu'on va soulever, la vitesse à laquelle on va courir, et la biologie, c'est-à-dire les muscles qui vont se développer lorsqu'on va faire de l'exercice et lorsqu'on va solliciter nos muscles. Voilà, je vais m'efforcer d'être bref parce que tout ça a été très long et finalement, mes collègues docteurs ont beaucoup décrit ce qu'était l'expérience de docteur. Ce que j'ai le plus appris en tant que docteur, c'est que quand on pose une question, on n'a pas une réponse à la fin, on a juste plus de questions, d'autres questions. Et finalement, chaque question va ouvrir sur 3, 4, 5 autres questions qui vont elles-mêmes ouvrir sur d'autres questions. Et c'est difficile, en fait, de terminer la thèse parce qu'il y a toujours beaucoup trop de questions qui restent à la fin. Voilà, je vous remercie. Merci, Lorraine. Effectivement, en science, plus on avance, plus on se rend compte à quel point on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Merci encore une fois à tous les docteurs qui ont partagé leur expérience et qui se sont exprimés à cette tribune. Et pour terminer cette cérémonie, je vais maintenant inviter M. Thomas Coudreau à la barre. M. Thomas Coudreau, qui est le directeur du Collège des écoles doctorales et qui va donc conclure cette cérémonie avec brio, j'en suis certain. Merci. Madame le vice-chancelier des universités de Paris, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, chers docteurs, mesdames, messieurs, chers amis. Vous venez d'avoir un bref aperçu de la recherche à l'Université Sorbonne Paris-Cité, sa variété, sa qualité, et c'est très difficile de prendre la parole maintenant pour moi. Qu'est-ce qui reste à dire en fait ? J'ai choisi de dire trois choses. La première, ce sont des remerciements. Des remerciements aux docteurs qui nous ont offert leur témoignage. Merci de ces moments, merci de nous avoir émus, de nous avoir fait rire, merci de votre enthousiasme. Des remerciements également à vous, tous les docteurs qui sont ici ce soir, pour vos résultats, votre motivation, votre présence bien sûr. Des remerciements également pour la communauté scientifique de Sorbonne Paris-Cité qui s'est si bien formée ses docteurs, qui s'implique dans tous les aspects de la formation doctorale, qu'elle soit par la pratique de la recherche, ou par les formations mises notamment en place par le Centre de formation des doctorants aux initiatives professionnelles du Collège des écoles doctorales. Des remerciements pour les responsables de Sorbonne Paris-Cité et des établissements pour leur soutien aux activités de ce collège, ainsi qu'à celles et ceux qui s'investissent dans son fonctionnement au quotidien. Enfin, des remerciements particuliers à Anne-Claire, Cécile, Nadia, Olivia, Raphaël, Sophia, pour leur implication dans la préparation de cette cérémonie. Nous espérons, Serge et chers docteurs, que le lien qui s'est construit entre vous et l'Université Sorbonne Paris-Cité et ses établissements
ne s'achèvera pas aujourd'hui. Que vous nous tiendrez au courant de votre devenir professionnel pour nous permettre de mieux préparer les doctorants actuels et à venir, mais surtout que vous saurez garder le contact pour contribuer directement à notre avenir, soit en tant qu'actrice et acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit en tant qu'actrice et acteur de la société en général. En tant que première promotion, vous avez une responsabilité particulière et nous vous incitons fortement à créer une association des docteurs de Sorbonne-Paris-Cité que nous engageons à accompagner. Enfin, cette cérémonie est voulue en l'honneur de vous, mesdames et messieurs les docteurs diplômés de Sorbonne-Paris-Cité. Vous avez franchi une étape importante de votre carrière. Vous avez obtenu le plus haut diplôme de l'université, un diplôme qui vous ouvre de nombreuses portes. Ces portes, c'est maintenant à vous de les franchir, de définir votre chemin, de vous orienter vers une carrière académique, une carrière dans les entreprises, une carrière dans le monde associatif, une carrière dans la fonction publique, une carrière dans un mélange de tout ce que je viens de dire avant, en France, à l'étranger. Maintenant, cherchez, innovez, découvrez, créez, construisez. Je sais que vos directrices et directeurs de thèse, vos équipes de recherche, la communauté de Sorbonne-Paris-Cité vous ont donné tous les atouts pour réussir dans cet avenir que vous choisirez. Merci et bonne soirée. Mesdames et messieurs, la promotion 2015 des docteurs de l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Vous pouvez les congratuler. Alors, je suis tenu de rappeler les docteurs de ce soir qu'il y a une photo de la promotion qui se fera à la sortie, après la sortie de la délégation. Donc après la sortie de la délégation, on vous demandera, si vous n'êtes pas docteur aujourd'hui, on demandera au docteur dans un premier temps de sortir. Et ensuite, les invités, les directeurs de thèse resteront avec nous quelques instants, le temps de la photo. Je vous remercie et je vais maintenant vous inviter à vous lever pour la sortie de la délégation. Merci et bonne soirée.